Salut à tous, c'est Magic Arena FR, comment ça va? Ben, ça va très très bien et toi? Ça va très très bien. Impeccable. J'espère que tu as vu la dernière fois j'ai laissé ton petit oui en entrant sa Oui, je l'ai vidéo. vu. Ben, je l'ai vu et tu sais pourquoi? Parce que les gens Les notifient dans les gens, voilà, et commentaires. mais c'est ça qui me fait Eh ben plaisir. Ils le oui. disent et toi du coup tu vas regarder après. Ils te balancent, ben, bien sûr. Parce que t'avais pas vu. Eh non. T'avais pas vu le petit montage aussi que j'avais fait. Que t'as Lequel toujours est-ce? pas vu. Le Lequel petit est-ce donc? flashback de quand on dit oh non, il gagne des PV, machin. Alors qu'en fait on lui met 32. Non. Mais par contre, Eh, c'est un c'est pas moment grave. douloureux que les gens ont bien relevé dans les commentaires. Non, non, on gagne là, donc c'est bien. Ah, d'accord, ok. Bah, Ben non, après, c'est c'est pas. douloureux. Aïe, aïe, C'est aïe, pas aïe, grave. aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas présenté Deck Naya. On l'a quasiment jamais fait sur l'ancienne d'ailleurs. Ça va Mec, faire c'est ça. incroyable que la meilleure tricolorité du standard soit une tricolorité perdue depuis je ne sais pas combien d'années. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué Naya? Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué Naya qu'on a Qu'on le a droit, oublié le nom. du coup, de présenter trois decks d'affilée qui sont Naya parce que c'est la meilleure tricolorité du standard. C'est pas vrai, prenez ce que je dis avec des pincettes. Mais en tout cas, il y a une nouvelle version de Naya qui a été démocratisée et créée par Elliot Dragon, le streamer français. Oh là là. En Gros featuring GG. avec Rockies. Non, pas en featuring Non? avec Crokeez. C'est Crokeez Bah, qui, Internet l'a dit. après. Oui, bah, tous les decks sont de Crokeez. Après être passé top 5 mythique avec son deck Elliot, Crokeez a repris le deck, forcément, et l'a un petit peu tuné à sa sauce. Et c'est une decklist très intéressante avec l'esprit au clairon. Avec les Toski et avec les Sentinelles de Jaspera, qui est vraiment un plan de jeu, ce qu'on appelle Swarm, l'essaim où on veut Sous Aremu. prendre le board et faire un board très très large. Et franchement, la liste, elle est très rigolote et très sympathique et compétitive. Compétitif et un peu fun. J'ai dit très rigolote. Très rigolote, c'est bon. Donc elle est compétifun. Elle est compétitive, exactement. Formidable. Petit pouce bleu, ça fait plaisir sur cette vidéo. Petit partage également en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je dis tout comme ça, c'est fait. Merci beaucoup à Playin by Magic Bazin, notre sponsor. ValetPL 2021, le code sur leur boutique, ça régale 50% de points de fidélité au moment où vous utilisez une seule fois par contre. Ça fait plaisir. Ceux qui ont utilisé le code l'année dernière, on peut le réutiliser aussi. C'est formidable. Enfin, pas le code l'année dernière, celui-là, vous pouvez le réutiliser. Ça fait plaisir, ça nous soutient. Merci à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront. Et si vous voulez nous soutenir sur Tipeee, vous pouvez également, toutes les bourses, bien entendu. Vous aimez bien qu'on dise bourse, hein, ça vous fait rire Ah, ça. c'est marrant. Et c'est même, enfin, c'est vraiment toutes les bourses parce que vous pouvez nous soutenir gratuitement sur Tipeee. Ouais. Donc voilà, si vous voulez y faire un tour, lien dans notre petite description. Ça régale. Ensuite, bah, juste la decklist, le plaisir. Petit point partenaire. Petit point Petit point partenaire. partenaire parce qu'on a eu la Hop chance de là, recevoir il est bon. quelques produits de la part de Zavi, qui est un site de pas que Zavi. de vêtements, qui fait aussi des figurines pop, plein de Un trucs site de produits dérivés, je de dirais. produits dérivés en rapport avec la pop culture. Et notamment, il y a une collaboration en ce moment avec Magic, qui fait donc du coup des petits habits comme ça. Alors, Alors il est vert moi, le sweat. il est vert, mais en fond vert, vous ne le voyez pas. Par contre, dans le dos, vous pouvez voir ce magnifique dos de carte que j'ai. Oh, il est beau. Il est quand même assez fantastique, on le voit bien, ça fait plaisir. Tu pourrais te lever un petit peu ou pas? Ah ben je me lève bien sûr, comme ça, vous voyez mon boule. Attends, il faudrait que tu Hop. viennes vers moi. Regardez là. Oh, comme c'est bien présenté. Voilà, parfait. Regardez, t'as Il y a une petite vu? photo sur Vous avez Twitter. vu, Voilà. Zavi, vous kiffez comment on Je fait votre verrai. placement, hein? Trop Ah, trop bien. franchement, c'est bien. Alors évidemment, Et on n'est attends, pas mais. payé pour vous montrer ça. Ils nous ont juste Je envoyé des m'en vais. produits et ils vous permettent évidemment. Normalement, là, c'est pas mal. Ah, il est très très Regardez stylé ça. aussi Ça, celui-là. c'est des vieux boosters. Et c'est des vrais boosters. Il y a des vraies cartes dedans. Je peux ouvrir? Il est un peu lourd, du Si coup. c'était des vrais boosters, tu es riche. Oh, incroyable. Et ça fait plaisir. Donc je vais me rasseoir. Ouais, petite collaboration sympa du coup entre Zavi et Hop. Magic the Gathering. Il y en a aussi, il y a des collaborations pour plein d'autres univers dérivés, pop culture, Disney, Marvel et compagnie, même des mangas et compagnie, donc ça peut être très très sympa. Mais là, il y a surtout une nouvelle collecte Magic qui est folle. Bah celle-là justement, qui est très vintage, avec notamment bah, des anciens designs, des anciens boosters, des artworks d'anciennes extensions, notamment le fameux bloc Urza, très très intéressant et très très joli dans sa représentation. Et Yep. donc voilà, on est pas payé pour vous parler de ça, on nous a juste envoyé des produits. On va peut-être recevoir aussi quelques produits à vous faire gagner, on vous Ouh en là là, le parlera. giveaway qui appartient. Ça sera sur Mais Twitter directement, en évidemment, fait. et bah, on vous invite juste à aller voir la page de Zavi et peut-être vous faire Yep. plaisir si ça vous plaît. Le lien sera dans Giveaway. la description. Giveaway qui ne sera pas une question de taille. Donc, tu n'auras pas besoin de faire du S, du Non. M, du R à tout le monde pour en profiter de ce giveaway. Vous inquiétez pas. On croise les Ça va doigts, on n'a faire pas encore plaisir. reçu, hein. Attention. Pas encore reçu, mais normalement, c'est ce On qui. devrait recevoir. Voilà, On devrait petit recevoir. truc sympathique. Pense toujours à la communauté quand on nous envoie des petits produits. On nous dit, Ah, ah, on demande. vous aimez les produits? Vous voulez parler de nous? Bien sûr. Petit giveaway pour la Est-ce commu. qu'on peut avoir des trucs pour rincer les gens? S'il vous plaît. Qu'ils soient bien rincés, qu'ils soient bien Voilà. propres. Donc j'espère que ça vous plaît. Dessous. Ah, Oh, il le montre. je me permets quoi. Oh, mais j'ai le même. Magic the Oh, j'ai le même Gathering. t-shirt. Ouais, parce qu'il est Incroyable. cool celui-là. Bah, en vrai, Très très c'était le cool. plus sobre, je trouve. Ouais. C'était le plus sympa. Oui, c'est vrai. Bah, en vrai, ils sont très cool. Il y a des boosters, il y a plein de dessins. Allez voir sur le site, de toute façon. Régalade.
Cette decklist, elle est incroyable, t'en Val. Il Fantastique. me semble. Elle est fantastique. Bah, En t'as tout fait, résumé tout à l'heure. Hein. On joue ça pour faire un maximum de ouais, c'est tokens. On ça. joue ça pour piocher un maximum de cartes. On joue ça pour mettre un maximum de marqueurs et piocher un maximum de cartes. On joue ça pour mettre un maximum de marqueurs. Pas du tout. Non. Piocher un maximum de cartes. Ça fait du mana pour faire la confrontation tour 3 ou Toski. Tour 3 aussi, on peut. Même si c'est moins le but. On a plein de spells aventure. On a toujours le berger pour reprendre la confrontation. Le géant Krakos, meilleure carte du monde. Voilà. Ça a été élu meilleure carte du monde par le Forbes. Donc, Peut-être pas du monde, mais du standard au moins, à minima. Ouais. Et moi, je ne vais pas vous parler du site, je vais juste vous parler de se battre bec et ongle. Voilà. Vous ne saviez pas que ça existait, et bien ça existe. C'est C'est un une fail. super carte tech. Tu sais pourquoi? Ragondorpan! Tu sais pourquoi on joue ça? Ragondorpan? Ouais, contre le Naya One Punch, en fait, qui peut se protéger. Parce qu'en fait, normalement, contre Naya One Punch, tu te dis, bah ça va, j'ai mon tueur de géant, je m'en fous. Et pas du tout. Et en fait, non, parce qu'il joue des abris de Sejiri pour se donner la protection. Et donc, du coup, dodger un petit peu les anti-bêtes au moment où il va tuer. Bah, tu fais se battre avec Beg et Ongle et t'as gagné la partie. Et c'est GG. Voilà, donc ça marche très très bien. Et c'est spécifiquement pour cette carte-là que la carte est présente dans le side. Arachnir contre les decks d'Ymir, Rogue évidemment. Prophétie de feu si vous voulez interagir notamment contre les autres decks aventures qui sont quand même pas mal populaires. Vandal masqué parce qu'il faut aller gérer les artefacts, notamment Oui. les grands Cromlechs qui sont encore très très joués. Redan, je pense que c'est notre seul out pour battre Sulta Ultimatum qui me paraît pas être un très très bon match-up. Il faut retarder les Vraas et les Ultimatums et Redan est là pour ça pour le Alors coup. ça marche très bien aussi contre Mono Blanc. Ça marche très bien avec Parce qu'il joue contre que des Mono Landes Blanc Neigeux. parce que tous les Landes sont des jeux. Après, le problème de Mono Blanc, c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup de mana, donc ça va marcher les. En fait, au moment où tu fais Redan, il a déjà joué ses trois premières cartes, il a déjà joué ses Oui, trois ouais. premiers tours. Moi, je pense qu'on rentre pas Redan contre Mono Blanc, Je sais pas, parce que typiquement. Valkmira, c'est pas dégueu non plus contre Mono Blanc. Ça réduit de 1 en gros toute la force des créatures. Puisque tu préviens une Je blessure. sais pas, faudra voir dans les plans de side comment on peut s'aider. À la base, j'aurais Plutôt ça contre Mono Blanc, quoi. pas forcément pensé à Redan contre Mono Blanc. Clotis, c'est plutôt bien contre les jeux cycling notamment. Ça te permet de gagner virtuellement 3 PV par tour. Parce qu'en fait, t'enlèves une carte sur Zénith Flare et tu gagnes 2 PV avec ta Clotis. Ouais. Très important la Clotis pour le coup. Archonte de l'Absolution, ça c'est contre Il y Mono a Blanc et c'est écrit. vraiment très fort. Et Garde Akros, c'est contre tous les jeux verts. Et étonnamment, c'est très bien contre cycling aussi. Un peu mou, mais ça lui permet d'aller suicider son board dans le vôtre. Oui, c'est vrai. Et ça a de la valeur. S'il a du board, enfin maintenant ils ont du board, c'est Et ils plus ont max de board. un seul, comment ça s'appelle? Seul renard. Ce n'est pas. Ah bah non, le Renard, renard ne bon, suffit plus. fini. On part en En standard construit traditionnel. standard traditionnel classement, voilà. On a les soins de dragon. Et je vais tester la souris parce que j'ai souvent joué dernièrement. Allez, let's go. Ah, C'est c'est toi bien. qui as joué sur la dernière? Je sais plus, mais Ok. il me semble que j'ai souvent joué. Ouais. Ok. J'en ai marre de jouer, moi je joue plus au jeu. Allez, vas-y. Alfonso. On est tout petit, c'est bien. Bon, après, dans la vie, on n'est pas grand, de toute façon, donc. Savoir qu'on fait 1m55. Ça va le garder. Alors rajoute à peu près 20 cm et on a nos deux tailles. Exact. Oh! De taille cumulée. On n'a pas mis les cosmétiques. Pas grave, on peut s'en sortir, plaît. Ah, tu fais pas battre frapper à mon tour? Non. Pas besoin. Bah je crois que c'est mieux Sur d'avoir Jean Géant Krakos. Krakos. Il D'ailleurs, est il y pas juste par un a. sentinelle. Au tavernier. Ouais, donc on a bien fait de pouvoir faire Géant Krakos Oh, je mets ici. toujours une 1-1 là pour beat down. Ah, c'est plus important de gérer son petit tavernier. Et je me rends compte que dans notre deckly, je pense qu'on joue un Mirror. On a le droit d'avoir Giganta et on l'a pas mis. Donc C'est c'est une vrai. erreur. Tu peux mettre plaine là, si tu veux forcément faire géant. Oui, Quoique passage sera forcément ça inverti, donc. revient. Ça revient même pour le coup, je pense. Comme t'as le choix avec ton passage, c'est mieux de remettre au moment où t'as besoin de faire un On choix. remet le choix plus tard, ouais. Mais vu que là t'as pas de mana vert, c'est quasi sûr que ce sera une forêt. C'est ça. Ok, ouais, je pense qu'on joue un Mirror. On va juste jouer notre Géant Krakos ici, je pense. Ouais. Into Toski, en confrontation. Si on a un mana vert, je ferais bien bête frappée d'amour dans bête frappée. Enfin, token dans Ouais, bête frappée token est d'amour. bête. J'aime bien faire confrontation d'escale quand j'ai moins de cartes en main. N'a pas le mana vert. Est-ce que t'as pas envie d'aller chercher des manas avec confrontation là? Ouais. Oui, on pourrait, hein. Au pire, on joue les cartes qu'on trouve sous confrontation. Hein. Parce que là, Toski, ça fait un bloqueur, mais pas ouf. Ouais, et puis ça te fait un bloqueur qu'un tour, Toski. C'est un Ouais. problème aussi. Et tu peux pas attaquer. Non, alors après, ce deck-là, c'est pas un deck agressif. Hein. C'est un deck qui va prendre l'entièreté du board, qui va Oui, faire ouais. 30, 40, 50 créatures, et qui va gagner au nombre. Donc ça, c'est pas trop grave qu'on soit pas. On est capable d'aller grind, d'aller épuiser l'adversaire en late game avec un board très très large. Ouais. Je vais chercher ton mana vert.
Là, tu peux faire token de bête Bête, je et pense. bête. Dommage qu'on puisse pas faire Est-ce que tu tavernier peux token de utiliser... bête-bête. Ah non, t'as que des spells verts, donc tu pourras faire que deux spells dans tous les cas. Tu peux faire... Ah, déjà, je vais juste Tu peux prendre mon faire sinon... token de bête, ça c'est Attends. sûr. Est-ce que tu préfères ça ou Floridron? C'est pour pas le perdre, hein. Donc c'est sûr. Comme ça, c'est gratuit. Et je fais ça plus Floridron. Et je perds juste la sentinelle. Et comme ça, je pourrais Ouais, recycler. tu préfères pas être mana efficient, faire juste bête frappée d'amour et Floridron? Tu utilises mieux ton mana, t'as une meilleure bête, Non, parce t'as le que même je board. perds une draw, quoi. Tu perds une draw, mais est-ce que t'as besoin là de cette draw? Tu peux faire tavernier bête tour prochain? Je sais pas, hein, mais... Moi, Tu peux aussi token Toski, non, c'est de la merde. j'aurais fait ça et ça, moi, mais on peut effectivement faire bête et. Parce que là, tu prends encore 5. Ouais. Du coup, il vaut mieux faire... Non, mais t'as Non, il raison, faut hein. faire bête en premier, ouais. Évidemment. Comme ça, tu vas mettre un token sur la bête. Parce que si tu mets Non. Floridron en premier, tu mets un Oui. token sur Floridron, il peut plus attaquer. Ouais. On perd que Jaspera. On a un bon board qui bloque le sien pour l'instant. Non, non, effectivement, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Moi, je voulais être un peu gourmand sur la pioche, mais je crois qu'on n'en a pas nécessairement besoin. Ouais, il a commencé à attaquer, il avait déjà encore des cartes en main, donc c'était un peu... Ouais. C'est fort probable qu'on joue un miroir au Read. vu de ce qu'il fait. Hein. Oui, ça a Le l'air. deck est pas mal populaire, notamment parce qu'il a été joué par Crokeez. Popular. Par contre, ça n'a pas été joué au split, ça a été trouvé un peu trop tard. Ouais, pas le temps Ouais, de... Toski qui est Pas de nul. l'aider trouver, je crois, juste avant qu'il submit les DL, mais pas le temps de tester assez, quoi, à mon avis. On Non, trouve que des je cartes crois pas. Je vertes. crois que les DL étaient déjà submit quand Ah, c'est Elliot déjà submit? a, ouais, Ok. quand Elliot a popularisé le paquet. Toski, c'est nul dans le mirror, mais vraiment nul, nul, quoi. Est-ce qu'on fait pas Sentinelle Toski? Ça fait deux spells, ça met des marqueurs. Toski va être obligé d'attaquer le tour d'après, donc tu perds un bloqueur. Tavernier bête, hein, sinon. Plus draw. Après, c'est vrai que Sentinelle, ça nous permet de jouer toutes les cartes vertes qu'on a en main. Ouais. Ah non, mais attends, tu peux faire tavernier, token, plus bête. Ah oui, il y a un mana vert avec Floridron. Donc on Donc va c'est faire bien. ça, en fait. On va pas Tavernier sur bête. s'emmerder. Ouais. Sur quoi? Floridron, je Tu pense. veux protéger plutôt ton tavernier, non? D'un géant Krakos? Ah ouais, donc je peux le faire passer 3-3, en fait, et Ouais. garder le Floridron 1. Hein. Ok. Il doit répondre maintenant s'il doit le tuer. Et il le tue pas. Ok. Un bon bloqueur Ah en voilà, plus. ça, c'est ce qui va nous faire gagner la Ouais. partie. Un maximum de spells. Est-ce qu'il a un bon trade là? Il bloque avec la 5-5 qui joue en Krakos, mais il aurait tué le tavernier. Faut que tu peux attaquer. Hein. Je crois qu'il a pas de bon trade, non? Ouais. Il donne 3 bêtes, on en tue que 2. C'est fine. Ouais, en Et fait, il va juste chum block. il donne tuer? Pourquoi il donne pas la 1? Parce qu'avec ça, il peut. Bah non, Il y a il peut encore aussi attaquer tavernier. Tavernier. Alors, je vois pas pourquoi il donne Peut-être qu'il tueur. a plus de 1 en main et du coup il veut vraiment les garder. Ok. Ah, pour faire le tricks, ok. Ok. Et là il va tuer bête frappée et À reposer noter que dans son la pieu. version de Crokeez, il joue pas de berger du troupeau. Et c'est non. Voilà. Je vous le dis, jouer des bergers du Ah troupeau. oui, ça a Juste l'air bien quand même. Hein. pour ces plays-là, pour faire les doubles draws assez aisément. Ouh, et puis tu On fais pas va y aller. Hein. deux Ouais, double esprit. double esprit. Ouais. Est-ce que ça paye correctement? Non, évidemment. Ah non, mais ça change rien. Je peux pas payer avec du rouge, double esprit. Ouais, donc ça paye pas correctement. Si, voilà, comme ça je garde double vert. Ouais, mais tu veux pas lancer de spell là? Ah oui, Là, tu peux pas trigger le ça ne deuxième. marche qu'une fois par tour. Voilà, donc vaut mieux garder tes spells pour faire double spell. Pourquoi je peux pas trigger le deuxième? Parce que t'as déjà lancé deux sorts. À chaque fois que vous lancez C'est au votre moment où tu deuxième lances ton sort. deuxième sort. Ouais, mais. Lui, c'est ton deuxième sort, mais Ouais, mais du coup, est-ce que il se pour compte lui ça pas. compte pas comme. T'es sûr? Est-ce que pour celui qui vient C'est sûr d'arriver. à 95%, mais tu peux être les 5%. Tu peux le jouer, au moins ça fera du Bah, mana. moi je suis chaud pour juste voir, du coup. Ok, ça marche pas. Je me demandais du coup si on pouvait pas trigger le deuxième qui vient d'arriver en jeu, comme étant Mais compté non, ouais. comme étant son deuxième sort. Pas Est-ce qu'on a une d'attaque. attaque? Bon, on pourrait avoir une attaque avec bête frappée en vrai. Oui. Oui, on Bah, a beaucoup de bloqueurs, donc vas-y. le trade nous va, je pense. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est bien d'avoir joué Sentinelle dans tous les cas, même si ça perd une draw plus tard, enfin un token plus tard, parce que ça nous permet de faire plus de mana. Notamment avec les tokens qui arrivent en jeu après. Ouais. Non mais même je voulais vérifier comment ça marchait, moi j'ai encore jamais joué cette carte-là. Joue un peu en draft, c'est une très bonne carte. Ça meurt très vite en draft.
Et je Donc pense ça que gagne très bien. c'est. Je pense qu'il le faut. Ouais, je pense que les games se gagnent à celui qui a le plus d'esprit au clairon pour le coup. Et fait sa petite draw. Et ça a l'air d'être nous qui avons le plus d'esprit pour l'instant. Oh. Bah Toski Sentinelle. Hein. Enfin, ou Toski Tavernier, qu'importe en fait. Oh, ce qui est sentinelle, ça m'a l'air bien là. Ça permet de garder le tavernier quand on aura une aventure. Et d'aller piocher des Allez, cartes. vas-y, mets un petit point avec ton esprit. Et tu peux pas attaquer à grand chose d'autre. Ouais. On va piocher une card. On aurait pu d'ailleurs. Ouais, fin de On a tour. deux manas, ouais. On aurait pu juste poser Toski, attaquer, parce qu'on piochait pour le deuxième spell. Ah, ça c'est emmerdant. Les games vont être longues. Hein. Il n'y aura peut-être pas de game de trop. Non, probablement pas. Il va pouvoir gérer le RPG, on deuxième y a clairon. déjà Et là, on joué. n'est pas très bien du coup. Hein. Il nous Ouais. a déjà géré deux esprits. Et nous, on n'a pas de Shinobone Crusher. Ouais, mais il a, tu vois, il a pas de Toski. On a deux sentinelles qui bloquent ses 1-1. Donc pour l'instant, là, niveau draw, on est mieux que lui. On va y aller, je Tu pense. Hein. peux d'abord draw, sinon. Je peux d'abord mettre 2 points, ouais. Enfin, Ça deux changera points. peut-être ce que tu vas jouer si tu trouves un scald ou quoi. Ouais, je suis obligé d'attaquer avec ça de toute façon. Ah, dès que tu déclares un attaqueur, ça met Toski avec. Je voyais Toski en draft aussi. Ouais. En fait, j'ai joué ce deck en draft. Ben, j'ai gagné. Genre le même, t'avais Ouais, aussi pas des tavernier, taverniers? quoi, mais j'aurais pu. Pioche une carte, on va trahir son esprit. Ouh, mais est-ce que tu ferais pas de tavernier, tavernier? Bête frappée, là. Bah si, hein. On va piocher un max de cartes, de toute Piocher façon 3 c'est cartes. le but du deck, on pioche un maximum de cartes. Sans faire le token, mais on s'en fout. Quoi qu'on aurait pu le faire le token, hein, avec nos sentinelles. Faut y penser. Hein. Ouais, mais là t'as encore 2 mana pour faire peut-être un spell. Ah non, dommage. Du coup, tu fais passe par la montagne. Étature de géant up. Ouais, mais c'est l'esprit du clairon, moi, qui m'emmerde. Ouais, je sais. Ouais. Après, avec toute la draw qu'on a, on va réussir à faire un truc. Ah, tu sais, des fois la variance, il D'ailleurs, suffit si tu que. voulais vraiment gérer ce tour-ci, t'aurais pu tuer géant à 1 pour essayer de trouver un bon crusher. Non, En mais je veux gros pas le 3. gérer spécifiquement ce tour-ci, je veux le gérer dans la game. Ouais. Non, mais genre, si on voulait creuser encore, Oui. on pouvait et on avait le mana. Sentinelle, ça carry vraiment. Bah, en fait, quand t'es capable de pondre un board très très large, ce qui est vraiment le but de ce deck-là, hein, c'est pour ça que moi je l'appelle l'essaim, c'est le plan de jeu Swarm à Magic, Effayless. c'est prendre le board de manière horizontale avec plein de petites bêtes et tout. Bah, c'est vrai que tes sentinelles, elles font du mana très facilement. Ouais. Mais est-ce qu'on ferait pas juste une phase d'attaque avec tout là, tour d'après? Ouais, ça Ça dépend va ce dépendre ce qui qu'il va jouer, mais. dépend de ce qu'il nous propose, Il y a que mais. 5 mana, il a pas de Après, sentinelle donc. donner les taverniers, ça a pas l'air dingo. Ouais, mais il va prendre une source à côté et on va piocher 2000. Hein. Donc on s'en fout de perdre tavernier. Je crois pas que ça soit le plan d'aller. Genre on le met à 5, mais derrière il reprend le board. Je crois qu'il faut pas perdre la value qu'on a. Genre là, j'ai pas envie d'attaquer avec tout. Ah, il fait 3 bêtes aussi, enfin 4 bêtes dans le tour, donc ouais. Mais même sans les deux tokens. Hein. Je pense pas. Du coup, je vais quand même tuer le géant. Ici, histoire de pouvoir aller piocher trois cartes. Allez, arrête le tour là, s'il te plaît. Allez, coco. Paiement auto. Ouais, tu peux faire paiement auto, oui. Il est intelligent. Et non, il va te demander quelle bête tu veux engager. Ah bon? Ouais. Ah bah sinon, il t'engage n'importe quelle bête. Ah oh oui, mais là en fin de tour, t'en foutais. Là, il te Ah, il te demandera. demande. Ah ouais, Ok. tu devras cliquer sur une bête. Alors, on va Je juste commence piocher par un draw 3. milliard de cartes, hein. Qu'est-ce que le clairon? Ou un bon crusher? 4 Toski main deck, j'ai pris la liste de croquis. Normalement, il n'y a que 2 Toski en side du côté de chez Elliot. C'est nul 4 Toski main deck. C'est nul en fait, il te le gère pas. Il te le gère pas et tu les joues pas du coup. Ouais, j'en ai vu deux main deck, moi. Je pense que 2 main deck, c'est tu vois, c'est le bon Bon compromis, compromis ouais. entre ce que fait Elliot et ce que fait croquis. Bon, on va partir sur confrontation. Hein. Oui, vas-y. Ça purge quoi. Tu peux jouer, ouais, ça en vert, en blanc. Ouais, ça revient au même. Et on peut rien tuer, hein. Et on n'a aucun intérêt à attaquer ici. Si on peut attaquer avec bête frappée. Tu peux attaquer avec bête frappée. Tout avec un token, il va te le trade. Ouais, donc c'est pas très bien. Faut attaquer avec bête frappée parce que lui aussi va avoir des Toski un moment et on va prendre la sauce, quoi.
Ouais, juste avec ça, Non, hein. je vois pas d'autre attaque. C'est trop particulier parce qu'on joue tous les deux un deck qui a l'air d'être agressif, alors qu'en fait ça va pas du tout jouer à ça, quoi. Et on peut décider de Floredron ou pas? Ouais, on peut Floredron et avoir encore les 3 manas, donc. Ouais, vas-y. Ah non, on va perdre les marqueurs sur confrontation, donc on va passer le tour. On Ouais, mais va ça te fait avoir. encore plus de mal pour lancer plus de spells. Ouais, mais pour l'instant, on n'a pas plus de spells à lancer. C'est ça le problème. Ah, c'est vrai que t'as 3 Toski, putain. Ouais, je pense que 4 Toski main deck. Alors, effectivement, ça doit être génial contre Sultai Ultimatum. Je comprends la carte contre Sultai Ultimatum. Mais 4 main deck, non, quoi. Donc, le deck est plus populaire en tournoi qu'en ladder. Non, 2-2, c'est bien. Oh, juste 2 main deck. Je sais même pas si tu les veux dans le side. Hein. Ah ouais? Bah pour rentrer contre Sultai, non. Bah pas besoin. Bah, Non, peut-être que 2-2, c'est bien, que mais 2 effets tu tour. vois, ça reste une créature légendaire et tout, quoi. Bah ouais, écoute, hein. Ouais, bon, ça c'est pas trop Genre, grave. typiquement, là, dans ces games, j'aurais bien voulu avoir des bergers. Et là, la liste de croquis, elle en contenait 0, j'en ai mis 2. Ouais. Ouais, t'es pas mal d'en avoir même peut-être un peu plus, quoi. Et on a combien de cartes en bibliothèque? 25. 25, sur 35 cartes, on a trouvé un seul géant. Voilà, pas les stats quoi. Non, il a trouvé son Il a Toski, donc trouvé ça son commence à troisième puer. géant. Son tour, hein. Ouais. Ah, quel plaisir. Le berger, c'est pas mal. Quel plaisir. Donc déjà on va lander en vert, ça c'est sûr. Alors maintenant. Tu peux jouer tueur de géant à 1, en draw 2. Je peux récupérer ma confrontation aussi. Ah, mais si tu fais récupérer confrontation, tu la rejoues et il te reste. Non mais je la rejoue pas forcément. Ah, pas la rejouer Juste tour et 6. après je joue ça pour piocher des cartes avec Tavernier. Ah oui, vas-y alors. Vas-y, vas-y. Sachant qu'on a encore tous ces manas là. Hein. Non, ouais. Je regarde si on aura autre chose à reprendre, je crois Tu peux reprendre un pas. Toski si tu veux en rejouer un, hein, parce que t'en as plein. Ouais. Peut-être mettre des marqueurs sur Toski. Vu qu'il doit le chum block. Ah, il va le Ou chum. mettre Comme un marqueur. tu dis, il va le chum block. Est-ce qu'il faut pas juste buffer les Non mais avec relances? ça 1-2 tu vois, il peut la bloquer gratuit. Alors que si tu le mets 2-2, là, il est obligé de te donner une bête. Ouais, bah, on va le passer de 2 si tu veux. Après, j'ai bien envie de buffer les Juste volants un aussi. marqueur. Hein. Hein. Ouais. Un marqueur suffit et ça l'oblige à te donner une bête. Avec le rouge, on a plus besoin. C'est là aussi où Accroix Noir fait le taf. Peut-être qu'il en faudrait des main deck. Un joli Yorion. Mais Pour quoi? une carte. Non, non, mais Trois-quatre. y a plein de trucs à cuter hein, dans cette liste, hein, pour le coup. T'as mis les géants, Ah oui. t'as pas mis les géants. Si, j'ai mis. T'as mis? Ben on va repartir sur ça, je pense. Ouais, on fait confrontation. Ou alors non, juste tueur de géant pour pas perdre les cartes. Peu tueur en Ouais, fait. vas-y. Parce qu'au bout d'un moment, on va perdre la meule en fait. C'est ça aussi qui est super relou. Parce que lui, le tour d'après, par contre, il va nous faire un tour de psychopathe. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout buffer. Sur Betfly encore. Hein. Ouais. Ah! Voilà, Aïe! merci. Aïe, tue-moi cette merde là. Hop, là il peut plus la Plus la bloquer. triple bloquée. Je veux un Floredron pour encore. Je peux rejoindre un géant aussi si je veux. Je peux décider d'attaquer avec ma 4-4. Ouais, j'aurais. Ouais, tu peux attaquer déjà. Tusky 4-4. Lovestruck, elle aurait pu y aller aussi. Ah oui, je l'ai perdu. Ah, elle Excusez-moi. commence à être un peu large le bord. J'ai Tac-tac. dû les Andro. donner. On a combien de cartes en bibliothèque? On doit être à 18 là. 19, 19. ouais. C'est pas mal. Esprit éclairant, ouais, mais comment on va pas faire de Ouais, token avec? ouais. Ça sert à rien de mettre. Il a un géant. Donc il vaut mieux passer sur géant Soit Krakos. géant, soit Floredron pour avoir plus de mana Ok. et ne pas avoir de draw. Ok. Parce que géant, tu le perds pas. Et marqueur sur quoi? Moi je commencerai à buffer un peu tout le Un board. tueur de Hein. géant? Toutes les 1-1. Ouais, un tueur de géant typiquement parce que ça peut être utile et ça prend plus bonne Ouais, crusher. vas-y. Et fin de tour. Land, Toski. Le sage. On est bon? Ouais. La confrontation. C'est fou parce que ça ressemble. Ça ressemble. On a peut-être la moitié des cartes en commun avec d'autres Naya qu'on a déjà présentées. Le game plan n'a rien à voir. Ouais. Ouais, j'ai même plus de la moitié. C'est. Je sais pas si on a plus de la moitié. On a une bonne moitié en tout cas, ouais. Ah, je compte pas les landes. Hein. Attention. Oh ouais, mais en fait j'ai l'impression que c'est
Amber Cleave et Et Gretchen qui Gretchen sortent au qui profit sortent. de Toski, Double Draw, Sentinelle. Toski et Sentinelle, ouais, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment Non, mais presque ces deux t'enlèves cartes. Brushfire, t'enlèves Mammouth, t'enlèves tous les plans de jeu Hunker, tu vois. Là, Il y c'est avait pas. ça C'est dans pas... Maya? Il y avait la base encore Grull? Bah, t'avais des gens qui justement rejouaient Brushfire pour avoir accès à Umbercleave, et moi, je Ouais. trouvais que c'était une bonne liste, ouais. En tout cas, t'avais toujours les Mammouths, pour le coup. C'est combien de mana? C'est 2 pour engager avec Urgir? Ouais. On peut le faire, d'ailleurs. Ouais, on va en engager un parce qu'on pourra pas. On va attendre de voir le Calibuff. Hein. On va mal bloquer. Faudra compter un moment à combien on a d'attaquants de plus que lui. Lui, il a combien de cartes en bibliothèque? Plus On que en aura nous, hein. plus, ouais, Ouais. 30. Ok, déjà on commence par ça. Ouais. C'est la Il a gratuité. pas de mana en plus pour le gérer là. Bon là faut faire des dingueries. Hein. Ouais, bah mais j'ai en Krakos, je pense. Ouais, tu veux plus piocher avec confrontation? 18, on draw 2 encore sur géant là. Ça devient just. C'est là où tu veux une petite Umbercleave quand même si Ouais. elle a rien à foutre dans ce deck quoi. C'est vrai qu'elle était gratos, hein. On va le récupérer, tuer son deuxième esprit. Hein. Ouais, vas-y. Je crois qu'on en est là. Hein. Mets des points, mais Ah, pas le choix. non. En fait, Tu peux lander. l'avantage de confrontation, c'est que ça buffe le board, en fait. Est-ce qu'on a envie de, on veut du vert ici? Pff, avec les sentinelles, t'en fous un peu. Ouais. Est-ce qu'on va piocher Alors, plus? on va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 attaquants. Donc déjà, il prend au moins 6 points en bloquant toutes les plus grosses. Ouais, mais lui derrière il a 1, 2, 3, 4. Ah, il nous tue en fait. Il nous tue large. Ouais, mais il est obligé de perdre du board. Par contre, moi, ce que je peux faire, c'est fin de tour, je t'engage ça, je t'engage un autre truc, et le tour d'après, je te bourre. Ouais, c'est pas mal. Là, tu peux attaquer Donc là, avec. on a un mana, deux mana, trois, quatre mana, donc on peut engager deux fois. Je pense là, t'engages bête frappée. Ah, bah non, mais de toute façon, il a Toski, donc ça sert à rien d'attaquer avec des bêtes au sol. Je crois que là j'attaque avec rien. T'attaques juste avec tes bêtes fly, non? Même pas. T'as pas peur qu'on se fasse défoncer par ça avec les marqueurs? Il nous tue, hein. Il nous les met facilement hein, si on a plus de blocker fly. Hein. On a deux sentinelles qu'on l'a porté. Ah, ça a la portée. Ah, mais du coup. Tu peux pas faire le mana pour engager, ouais. Moi je prendrai pas de risque et j'essaierai de tuer le tour d'après. Ok, bah vas-y, fin Parce que là il de. va juste un bloc en Ouais, vrai. fais juste une attaque avec Toski. Ouais. Je crois que là notre meilleur plan, on n'a pas le late game donc. Donc notre plan c'est d'essayer de tuer le tour d'après. Ouais, go. Un peu horrible à jouer à deux ces games-là. Hein. Ouf, ah ouais, c'est dur. Déjà que j'arrive pas à réfléchir tout seul, genre là. Non mais c'est parce que t'en as un qui design la game d'une certaine manière. Ah ouais. Alors c'est assez compliqué à suivre. Lui s'en fout, il y va, Oh, il il est en pioche. Anguirus. Ouais, c'est la liste de croquis. Et je comprends pas pourquoi il joue Anguirus dans cette liste. Je pense que c'est pas très bien. Faut mieux avoir des Vandal en side, je pense. Les Vandales. Et ils sont bien, hein, c'est une bonne carte. C'est l'aventure qui casse un Atos? Non. Non, c'est la 1-3 qui est sortie en Ah, Kaldheim. Vandale masqué. C'est ça. Ouais, ça, on s'en fout un peu. Les esprits vraiment qui se font sniper direct. Hein. C'est la base. Hein. C'est la base, c'est la base. Il doit être bien creusé là du coup, à force de faire des confrontations par contre. 25, 25 à 16, 16. ouais non. 9 cartes de plus. On est toujours derrière, malheureusement. Ouais, il va pouvoir commencer à. Pourquoi il buff son Toski? Je comprends pas bien l'idée. Il passera jamais notre bête frappée dans tous les cas. Pas sûr qu'il soit sur la meilleure opti notre adversaire. Arfonso. Alfonso. Ok.
S'il nous tue pas, on peut arrêter de piocher et lui il se meule. Je crois pas que le plan. On va engager d'abord la 3-3 fly, je pense. De toute façon, il tape Ouais. là-dedans. Ouais, 3-3 fly, ça fait que ses attaques en fly ils sont nuls. Hop, t'engages une 1-1, ouais. Très bien. Et tu peux engager Toski. Je pense que je gagne bête frappé en Ou bête fait. frappé, ouais, parce que le Toski, Toski, tu me on bloques, ouais. le. Ouais. On va faire comme Il n'y a plus de ça. mana. Et on va protéger Et ce. t'as rien Ah d'air. non, quoique c'est un 3-3, ça bloque bien Non, s'il te fait une full. là, un token, ouais. Très bien. Pas facile à piloter ces games-là. Du coup, ça rend le Non. deck assez intéressant. Ouais, ça bat bien le J'aurais steak. pris 4. Non, j'ai Non. pris 4. Non, non, non. Il a 8 attaquants. 8 bloqués, pardon. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 attaquants. Donc il prend toujours que 6 Ouais, minimum. mais il va perdre pas mal de board. Et nous, derrière, on peut reconstruire. Et on Ouais. peut aussi piocher, trouver des gens en Ah mais Krakos. attends, parce que à quel point on meurt là sur s'il laisse passer Kondro plein? À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Non mais s'il laisse trop passer, il est mort. Ouais, Donc je pense que tu peux attaquer avec tout là. Ouais. Est-ce qu'il faut que j'engage des bêtes? Non, j'attaque avec tout. Non, je crois pas, ouais. T'attaques avec tout, tout, tout. Ou tout, pas tout. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Et on voit. Ouais. Parce qu'en plus, avec ce qu'on va piocher, on va peut-être avoir d'autres plays. Bah, tous les gens Krakos qu'on n'a pas trouvé, ils peuvent Ouais, aller ils dans sa peuvent aller bouche. dans sa gueule aussi, ouais. Voilà. On la connaît, la tech. Je connais les deux points. On connaît, la tech. C'est d'un très bono, ça y est donc. Parce que c'est pas le meilleur produit, l'eau. Meilleur breuvage. J'adore l'eau. Moi aussi. Dédicace à tous ceux qui prennent des screens de ça, qui le mettent sur Twitter en disant Salut les joueurs Arena Mobile. Voilà. Tu sais que personne n'allait vers ça. Et j'en vois très souvent sur Oui. Non, mais sur notre Twitter. vidéo, Ah, pas sur notre vidéo. personne n'allait vers ça. Tu Mais leur donnes genre. juste des idées, quoi. Mais genre, je sais que des gens font ça régulièrement et ils adorent. Mais les détracteurs, c'est Mais. comme les théories du complot. Je sais pas, je. Après, il y a le sentiment aussi de te dire, ah, personne n'a fait la blague, je vais la faire. Sauf que si, plein de gens ont déjà fait la Bah, bien blague, quoi. sûr. Si tu as eu une idée dans la vie, au global, hein, à part peut-être une fois au chalet, si tu as eu une idée, quelqu'un l'a déjà eu. C'est vrai, les idées au chalet en général sont uniques. Ne reproduisez surtout pas les idées du chalet. Si tu as une idée au chalet, ça Ouais, que dégage. ça reste une idée. Ça te dégage vraiment, quoi. Allez, est-ce qu'on le tue là? Regarde-moi ça là. Alors, il n'y a plus grand-chose et on pioche 6. Regarde-moi ce board nul. Comme prévu. Ah, tu vois, c'est mieux là. Je préfère. Oh! Et 2-1. Il joue à cache-cache le Il se dernier. Hein. fout de notre gueule! Il se fout dans notre gueule. On va tuer ça, on va tuer ça. Bon, là, on tue en fait. Juste, on Comment tu tue. tues le tueur? Avec notre bonne crusher. Et il faut. Bon, je sais pas. En fait, il faut tuer son board, quoi. Faut jouer des cartes, quoi, en tout cas, au global. Alors, déjà, on va tuer sa bête frappée d'amour, parce que sinon, elle va nous Ouais. faire trop mal. Vas-y, c'est chiant. Ensuite, je crois qu'on fait bonne crusher là-dessus. Et on joue notre bonne crusher pour bloquer. Sinon, pareil, on meurt. En fait, avec confrontation, il nous tue là. Est-ce qu'on n'a pas moyen de mettre une carte Il faut qui. mettre beaucoup de bancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, mais il peut nous mettre les 8 points juste avec ça, ça le problème. Qu'est-ce qui bloque le fly? Le fly. Fly? Ah, plus rien qui bloque le fly, là. Si, on doit pouvoir piocher une sentinelle encore. Ouais, bah vas-y, faut que tu tavernies, du coup, pour piocher. Attends. De quoi? Pourquoi tu tues? Ah, tu veux pas tuer, tu veux juste le jouer? Bah non, mais il faut qu'on pioche une sentinelle, sinon on est mort sur le fly, là, t'as dit. Mais je pouvais faire les deux. Je pouvais tuer, jouer. Mais elle est où la sentinelle? Bah dans notre deck. Oui, mais il faut la piocher, on n'a rien qui pioche ça. Mais je pouvais à la fois le tuer et après le jouer pour piocher. Oui, mais on n'a pas de tavernier, donc il faut aussi jouer un tavernier. Ah, on n'a pas de tavernier, Et putain, il non. a bloqué les taverniers. Gros, je suis du père. Tavernier. Et là, du coup, tueur de géant. Ah, mais du En coup, je suis gros. obligé de. Ah, ok, c'est donc ça ton plan. Oh! Deuxième bonne crusher. Du coup, là, tu peux double Je bonne peux. crusher à 3-3 vol. Et t'as deux bloqueurs. Ce qui est un meilleur plan. Ça, c'est bien. C'est compliqué. Est-ce que tu Quelques peux jouer une petite éclairs. kebouze là? On va pouvoir en jouer une petite de Kebouze ou pas? Non, je crois pas. Oh, mais land. Ouais, bon, on s'en Land fout en blanc. fait.
Scarre de Floredron, Land. Et Land, hein, flot de passage, on s'en fout. Confrontation, ouais, t'as raison, on peut plus les jouer. Oh fuck! Après, on a quand même encore un bloquant. Il va nous engager le premier, on a le deuxième. Faut pas Oh qu'il ait ouais. encore un bon crusher. Là, ils sont tous en aventure, ces bons crushers. Anguirus, on s'en fout. Ah non, ça piétine. Ouais, ça nous tue, hein, Oh je pense. merde! Putain, j'avais oublié la mutation, gros. Mec, j'ai l'impression qu'on s'est fait voler. Ah, mais c'est du vol là. Ah, On ça s'est passe. fait voler. On a gagné la deuxième. Ouais, c'est bon, tu peux partir. Bien joué. Oh Dommage. merde! On aurait peut-être dû garder un ou deux tueurs, je sais pas, peut-être tourner un peu autour des tricks. Alors, qu'est-ce qu'on veut ici? Je crois qu'on veut pas d'autre chose que Garde Akros et Prophétie de Feu. Ouais. On doit probablement vouloir que deux Toskini. Ouais, il est déjà très mal. Et qu'est-ce qu'on peut cut d'autre? Je suis pas un grand fan de Floredron. Floredron. Ouais, on a assez de land? 26 avec les deux que j'ai cutés. On passe à 28 avec Floredron. Et 26, Ouais. c'était large fonctionnel. Ouais, bah vas-y, go comme ça. Hein. Je me demande si On met deux Clotis, c'est une Toski. option. Je me demandais ouais, si on voulait grind parce que les games sont longues. Ça peut être Ouais, bien. après avec Acro à noir, elles le sont vachement moins. Ouais. Que tu fais t'opposes des trades de board, quoi. Ouais, non, pas comme Mmh, ça. j'irai pas, mais la question se pose. Je me tire. Soulevons la question. Je devais D'ailleurs, peut-être pas attaquer avec tout. ouais, bah oui, ce que je disais, On fait savait peut-être qu'il y garder avait un ou Kairos. deux, Ouais. une ou deux cartes pour pouvoir taper ses Ouais, les tueurs attaquants de come jungle, il aurait back. fallu laisser. Après, au global, on n'a pas eu beaucoup de chance, quoi. C'est un sketch par contre là. En live, j'ai mulligan 3. Ah ouais? Un land, 0 land, 0 land, un land, 0 land. Nickel. J'étais content. Gardons. Ah, elle est bien après cette main, hein, en vrai. Ouais. T'es obligé d'enlever garde accro et géant. Ou Ouais, peut-être pas géant. je sais Ah, tu veux garder pas. sentinelle et quoi? Si tu gardes géant. En fait, c'est trop important de gérer son propre tavernier, peut-être plus que d'avoir la bête frappée d'amour, je pense. Ouais, bah vas-y, garde comme ça. Sans la bête repée. Sentinelle. Je sais Ça que tu peux faire un mana revient, pour piocher ouais. avec. Ouais. Là, tu peux faire passage, tavernier, géant Kratos. Ouais. Ce qui est le plan, effectivement. Et on n'aura plus de carte en main. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, ça. Les gens voulaient des games longues. Ah bah vous les avez. Ça te servit, hein. Je peux faire mana blanc. Et pas de points. Et je ne peux pas attaquer. Ok, il avait pas Tavernier tour 1. Ou en tout cas, il s'est juste prémuni d'un géant Krakos, ce qui est plutôt bien vu de sa part. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? On a fait géant face hein, pour l'utiliser. Et il a ce qu'il faut, lui, hein. C'est dingue, hein. Ouais, là ça nous met mal, ça nous coupe un mana et la draw. Un plaisir, un petit peu de talent, Ouais. ça fait du bien. Après, bon. Bon, on est en moule à 5 donc il y a zéro talent en vrai. Juste le jeu qui voilà, est un peu Ouais. plus sympa. Même en plus à la cloque, on est dans la merde. On a pris 9 minutes de plus que lui. En même temps, on est à deux. Très très dur de présenter ce deck en vidéo pour le coup. Ouais. En tout cas, pas de miroir, quoi. Oh, ça dégage Et son on truc. les a pas eu à la game Ah, d'avant. on les a tous là. C'est fou. 3 géants en combien? En 8 cartes? C'est rigolo quand même. Ouais, en 8 cartes. Et bah, il coûte Est-ce 4 que points, hein. tu sens. Non, même pas, on garde. Hein. Non, là, Ouais, je crois que tu peux lui laisser. Ouais. Il fait. Land Tavernier, Toski, 1 point de draw et on fait. Bravo. Après, normalement, il a pas gardé beaucoup de top ski après side. Hein. Topski. Top ski. En vrai, je l'ai appelé de toutes les manières Toski. Je l'ai appelé Toki, Toski, Trollski. Oh, Trollski. Je l'ai Dédicace à appelé Trollski. aussi Trotski. C'est une autre personne. C'est une autre personne pour le coup. Donc, ouais. Trollski, viens pas m'emmerder, quoi. S'il te plaît. Ça, on s'en cague bien, bien comme il faut. Oui, tout. Voilà. Petite N2 là. Comment ça me nuire? Ok. Géant. Land vert, Ouais, géant. on va géant, mais pourquoi land vert plus que land blanc? Il y a plus de blanc dans la liste. Ah oui?
Tout à l'heure, on avait que des spellvirs dans la main. Ouais, mais on a plus de blanc au global. Il y a trois plaines et seulement deux fo et seulement une forêt avec les floraidrons. Et quand tu regardes le nombre de sources, je crois qu'avec les quatre Ah, mais je compte géants. en nombre de spells qu'on doit caster, nous. Ah ouais. On a quand même plus de spells blancs? Et c'est. Ah, peut-être pas, faudrait vérifier. Oui, bon, on a Il est très compris. énervant, Arfonso. Est-ce qu'il faut pas les tuer ça? Oh non, je crois pas. Bah, ça nous empêche d'aller clore la game, quoi. En fait, si tu le tues et que derrière il te pose la 2-2 qui fait des 1-1, t'es deg. Ah ouais, mais on Pourquoi a t'as plus déjà. qu'un géant? En fait, on est tellement dans la merde, est-ce qu'il faut pas prendre les seules options de Bah, jeu qu'on a? tu peux le tuer ton prochain au pire. Pas obligé de tuer maintenant, c'est un éphémère. Non, ouais. Peux Ok. bloquer par contre ses émotes, c'est très agaçant. Moi, je les laisse, hein. Ah ouais? Ouais, Moi j'aime pas. je m'en fous complet, quoi. J'ai battu quelqu'un qui me spammait des émotes. C'était très satisfaisant. Ouais, bah, ça arrive tout le temps, malheureusement, hein, que les gens spamment des modes. Moi, je n'émote jamais. Et rentrer à compte. Je pense que c'est juste nul à chier de rentrer à Arcontre contre les plans de jeu géant Krakos, par contre. Bah ouais, ça meurt, non? Ah oui, c'est nul. Mais il va gagner puisqu'il a pas moule 5. C'est la vie. Est-ce qu'il y aurait un peu de sel, là, dans cette game? Ah bah, un petit peu, là. Puis il a pioché tout ce qu'il faut. Hein. Vas-y, tu sens du géant, là, après. Non, pas maintenant, sinon tu peux pas bloquer, tu prends 2 points. Enfin, tu prends 1 point. Ah oui, bah oui, bien sûr. Et là, tu peux tuer. Évidemment. Mais quoi qu'en fait, non, s'il a Arconte, mec, je vais pas tuer son tueur de géants maintenant. Oui, tu pourras tuer en plus en réponse quand il te fait quand il va mettre des marqueurs. Ok. Si Alors si j'attaque. t'attaques, tu peux faire un géant Gragos suivant ce qu'il bloque. Pour lui tuer plusieurs bêtes. Ouais, mais je gère plus Arconte. Parce qu'on s'en fout pas un peu en vrai. Ouais, faut attaquer là. Tu poches des landes. Faut essayer de beat down. De toute façon là, il s'est refait une main. Il va mettre des bloqueurs qu'on passe plus. Bon, il va juste faire ça. Ouais, mais ça nous va en vrai. Lande rouge. Ah non, vert, t'as des blancs en vrai. Ouais, c'est bon. Ouais, rouge par contre, il y a que Krakos et Shoda. S'il joue les deux, on a deux cibles qu'on a envie de tuer, quoi. J'espère qu'il va prendre un autre plan que de jouer ça. Ok, au top. Donc là, je peux gérer ça. On sait qu'il aura plus le mana pour jouer. Ah si! Il peut encore land et avoir 4 mana. Bah et là il a encore 4 mana. Donc il peut Ouais, avoir bah 5 ouais. mana. Ouais. Je crois qu'on a perdu. Bah ouais, moula 5 de toute façon c'est dur hein, en miroir. Hein. Ouais, mais on pouvait avoir confrontation d'escale qui réégalise les choses. On pouvait tomber sur Gardacross et reprendre instantanément le lead. Oui, bah on peut top deck là encore. Hein. Oui. On Non, perd mais pas c'est. sur ce tour, mais ouais. On commence à sentir très mauvais quand même. C'est dur. Son truc là, truc nul. Il a décidé quoi pour entrer ça? Tous les Toss. À mon avis, il a plus de Toss qu'il dans sa liste. Je pense qu'il a raison. Que des landes, hein. Bah écoute, phase d'attaque. Ouais, il peut double bloc comme ça, il peut bloc comme ça, comme ça. Tu penses vraiment qu'on doit attaquer ici? Pas persuadé. Si double bloc, on tue son esprit. Non, mais il peut bloquer aussi ici, ici, tu vois. Ou ici, ici. Bah, s'il bloque tueur et token, on tue les deux. S'il bloque sentinelle tueur, Non, on mais moi je tue. pense qu'il fait sentinelle token sur notre attaque de géant. Et du coup, on n'en tue qu'un des deux, quoi. Sentinelle token ne nous arrange pas. Ouais, bah peut-être juste tu fais géant et tu passes. Il faut juste passer, ouais. C'est horrible parce que comme il prend du board, on peut pas garder nos aventures pour piocher. Non, 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 on est obligé, ouais. Enfin, si on prend, on meurt quoi, donc. Non, mais là, c'est Shodan ou Gardacross, là. Pas facile, hein. Non. C'est le jeu. On a quoi? On a 6 draws là qui nous mettent bien. Qui nous mettent. Alors, je sais même pas si elles nous mettent bien maintenant au vu de l'avance qu'il a pris. Il a Bah, quand même gardé des Toski, mais il a side des commandes, il a enlevé quoi? il a peut-être pas sa idée. Il est rentré 2 heures contre en tout cas. Oui, mais c'est pour ça. Bon, peut-être qu'il a effectivement gardé que 2 Toski comme nous. Et il a juste trouvé le sien. Ouais, mais en plus, il a rentré les archontes blancs, tu vois. Et il a aussi des accros à noir. Genre, j'aurais du mal à penser le contraire. Donc, je sais pas trop où il a trouvé la place. En plus, le pire, c'est que sa sortie, elle est, genre, parfaite, quoi. Ouais. Allez, c'est notre seule issue maintenant.
Je sais que je vais pas jouer ce deck sur le ladder. Voilà. Les mirrors Ouais. ne vont pas me Il est ultra plaire. usant. Ouais. Très taxant. Jouer Sultai Ultimatum. Hein. On sait déjà. Allez, à plus! Ah, c'est dommage, franchement, la première game, j'ai adoré. Mais voilà, on calcule un peu mal. On pensait pour Le miroir est l'étal. un peu complexe pour une première game, je pense. Ouais. Et Genre que pas la que. deuxième ou la 5, on trouve rien. On trouve 3 géants, c'est vraiment le troll, quoi. Moi, je pense qu'on peut se donner une deuxième Ah chance. oui. Je pense C'est qu'on quoi? Tu peux peut. même la faire B1 si tu veux. C'est trop tard. Non, tu peux annuler. Je crois pas que ce soit un deck de BO1. C'est pas grave. Moi, je pense qu'on gagne en Je B1. crois qu'on va faire un BO3 et on va faire une très belle game. Ah ouais? Ouais. C'est ta promesse? C'est ma promesse. Ok. Bah, au pire, de toute façon, il y aura eu deux games de trop. Je m'y engage. Il engage. 7 C'est euros. trop. Ah bah Ah, tiens. c'est trop. Là, C'est ça la tombe game de très bien. trop. Eh bah, c'est. Ah, franchement, keep. C'est moelleux keep, hein. Keep, keep. Elle est Keep, parfaite, keep. cette main. Ah ouais, elle est parfaite cette main. Regarde. Comment ça, Ah, regarde? regarde. Et comment ça, Bah, regarde? elle est parfaite, cette main. Allez, joue un petit fourré. Bon. Bah ouais. Ah, il pouvait arriver à dégager plus tard. Deux. Mais ce land, ce passage. Ah oui, enfin, faut vraiment piocher land, land, land pour qu'il arrive dégager, Ça quoi. arrive, hein? Ouais. J'y ai pas cru. Moi, je sais pas. J'y ai pas cru. Pour Et le là, coup. mana vert, on serait content. Ah, dommage. Bon, bah, tant pis. On va plutôt jouer ça alors dans ce cas-là. Ok, on joue contre mono blanc. Intéressant. Oui. Ça, c'est plutôt un bon match-up normalement, mono blanc. Ah, ça fait plaisir. Bah, en vrai, le mauvais match-up, c'est Sultai Control. Tous les autres plans de jeu agressifs sont plutôt des bons match-up. Et c'est normal, hein, on fait une armée de petits bloqueurs. C'est un peu horrible pour lui, quoi. Là, tu peux faire token de bête avec géant Krakos up. Ouais, je pense qu'on va land blanc et qu'on va faire ça. Token de bête, ouais. Et on commencera à On va avoir des lui bloquants. engager le Sacre-Lame. J'ai bien envie de tuer l'Alcide maintenant, en fait. Plutôt que lui engager le Sacre-Lame. Parce que le Sacre-Lame, là, on peut proposer un trade si on veut. Ouais. Et Alcide, ça devient très encombrant si tu laisses la partie durer et si tu Ouais, lui bah laisses les vas-y, manas géant. s'accumuler. Et au moins, il peut pas le sacrifier en réponse, ce qui fait Oui, qu'on ne faire perd perdre pas le notre, géant. voilà, on perd pas notre géant. Donc, je suis plutôt OK avec ça. Pompeux. Là, ce qui nous met mal, enfin, ce qui nous met mal, ce qui est chiant, c'est Aspirante, mais il n'est pas obligé. Évidemment. Il était pas obligé. Les decks mono blanc qui ont tout, ça devient un peu plus compliqué. Mais normalement, on devrait pouvoir stopper. Message au deck mono blanc qui ont tout. Merde. Arrêtez, quoi. On va économiser 4 points. Krakos Ah ouais? ici. Ouais, je pense. Oui, c'est vrai. Bah, on va pas être l'agresseur, nous. On va faire un board très On va très garder large un moment et on tranquille. va gagner, quoi. Ok. Ok, donc on va Krakos. Faut que ça paye correctement. On va Krakos l'aspirante. Ouais, t'es obligé. Et on va accepter de prendre des points en jouant un tavernier pour essayer de piocher le tour d'après. Ouais. Encore une fois, les Toski qui régalent pas du tout. Je sais pas Ouais. pourquoi il a 4 Toski dans la liste. On aurait dû la changer avant de repartir. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup, hein. Un truc qui est censé pas être géré. Je pense qu'il s'attendait à Beaucoup jouer de Sultai. beaucoup de Sultai, Ouais. littéralement, quoi. Mais même si tu joues que des Sultai, c'est vénère Uf. 4 Toski, quoi. Ça, c'est méchant. C'est une belle sortie, hein. On peut pas dire le contraire. Ouais, Tu vois, va être très rapide cette game. c'est vrai. Y a pas de problème. Ouais, c'est une C'est ouf. blague! Putain! Bête frappée, hein. On trouve des landes au moins. Est-ce qu'on a un intérêt à jouer vert plutôt que rouge? Normalement, Bah, oui. tu vas jouer qu'un spell rouge, qu'un spell vert là, donc. Ah, sa sortie. S'il nous fait Alvar, on a perdu. Voilà, spoiler. Non, on est un. Oui, on a perdu Ouais, quoi. du coup. Ah, je crois que ça va. On va préférer. C'est quasi pire, hein. Ouais. C'est quasi pire. C'est le dinosaure orange. Casimir, ouais, c'est lui. Là, tu peux Ok. faire esprit géant. Ouais. Ça fait du board, ça fait Et un ça bloqueur, c'est chump bien. block, donc c'est topissime même. Si tu donnes, s'il donne pro blanc pour passer, en plus ça lui déséquipe le maillet. Ça, il ne peut pas le Le faire. maillet. C'est l'avantage des archontes après side. C'est-à-dire qu'il peut pas les passer même avec Alcéide. Pour le coup, si on touche une archonte dans la game d'après, c'est finito pour lui.
Déjà là, on commence à l'avoir bien, bien emmerdé parce que ça ne passe plus maintenant. Ah, si, il gère pas l'esprit et il faut qu'il ait une autre apparition. Parce qu'il n'a pas de cercueil de Vermendeck aussi. Ça va faire un token. Enfin, on va essayer de faire un token par Donc tour. là, ça ne se voit pas, mais le match-up, il est extrêmement Le positif match, il est normalement. déjà gagné, en Non, mais fait. bon, ça, Mais vous ne le savez bah, pas là, encore. malheureusement, ce n'est pas le cas, mais. Let's go. Let's go! On est peut-être en train de faire une remontada, hein. Mais tu sais quoi, quand t'as fait le tour, je me suis dit, allez, win celle-là. C'est sûr, allez, win. Attention, Allez, win, on gros. parle pas trop vite quand même. Floridron et géant. Phorédron, géant. Fais géant d'abord, parce que tu vas draw. T'auras peut-être envie de jouer un deuxième spell, autre. Oui, il est vrai. Cela ne se peut. J'aime bien, moi, ce tavernier. Une bonne bouille. Ah, bah, genre sentinelle. La même que toi, j'ai fait. Exactement. Sentinelle. Sentinelle, nelle, nelle. Est-ce qu'on joue Phorédron en land ou on joue plaine? Non, on joue plaine pour faire Phorédron Toski ton prochain. Ouais, on a besoin d'activer le double draw tout le temps pour avoir le Ouais. bloc. Et on n'a Non, pas pas d'attaque. d'attaque. Sur notre plan de jeu, nous, on sait. On attaque une fois dans la game. Mais c'est la bonne. Après, on est mort s'il retrouve une apparition. Est-ce que si je fais ça, Val, t'as l'impression que j'aurai un Phorédron? Oui, c'est vrai. J'ai même l'impression que tu converses avec lui. Et je parle pas de la Oh, je chaussure. discute. Bon, défausse les cartes en Ah, vrai. j'aurais mis plutôt un On est géant, moi. full mana. Tu préfères perdre un géant? Ouais, Sentinelle, ça fait du mana. Quoi qu'on a un 6, non, t'as On a raison, ça plus de bat les mana couilles. en fait. Et donne-lui ça. Allez, bouffe. Tu veux perdre des cartes, y'a pas de problème. Hein. Bah, vu qu'il suffit de 3 cartes pour nous battre, il peut en défausser, quoi. C'est un Là, Kaggle. il nous bat plus, hein, malheureusement, avec ses trois cartes. L'homme, il va tuer. C'est là où cette liste elle est vachement intéressante dans la méta très agressive qui était la quatrième semaine de Kaldheim. Il n'y avait que des monos rouges, des monos blancs et compagnie. T'arrives avec ça, t'es en mode vous ne passerez pas, c'est le deck Gandalf quoi. Ouais. Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas, hein. Mais vous là-bas là. On va ouvrir le Lotus, il paraît que ça porte chance. Une chance sur deux. Et voilà. Tu vois, on va se mettre à avoir des draws, mais insane. Genre cette plaine. Elle Waouh. est dingue, hein. L'Oredon Toski. Et on a une attaque là. Oui. Eh oui, on a une attaque. Pour attaquer avant? Ah non, parce qu'il faut jouer Toski. Eh oui. Sur Toski, ça t'oblige à mal jouer. Bon, pas à mal jouer, mais à jouer en même C'est pas à 1, dingue quoi. ça. Ouais. Alors Toski va bien bloquer le Sacre Lame. Il va bien défausser une carte. Oui. S'il veut. Ah, Tactique. ça va le faire qu'une fois. Mais c'est peut-être la fois qui Oh, avec suffit. tes deux Toski en main et lui qui peut pas les gérer, je te dis que ça va le faire plus d'une fois. Oui, c'est vrai. Tu vas faire j'attaque avec Toski, j'en repose un. Oh, t'attaques avec les deux géants. Géant Krakos. On peut piocher genre. Allez. Un Showdown of the Allez, on le Skald, pioche. ça nous fait gagner. Allez, on le pioche. Tu penses? Allez. Le talent. Cœur de géant. On drôle notre petit cas. Ça fait plaisir. Oh, est-ce qu'on met pas le C'est petit. moelleux bien ça. Ah Hein. non, ça nous fait draw. Non, ça nous fait draw un token of flight au prochain avec Toski. Ok. Parce que si tu le joues. Ah non, tu pourrais double Toski pour faire un token, mais c'est pas. Ouais. C'est Ah, pas tu fais fifou. pas. C'est pas fifou. Ah, maintenant qu'il est un tueur, il peut engager notre token fly. Merde. Mais on a un tueur pour engager son engageur. Ça Ça se marche pas. complexifie. Ah bah si, on a tueur pour engager son sacrum. Pas de suite, mais ultérieurement. Ça se décomplexifie. J'adore ce qui se passe. Elle est challengeante cette game. Pioche. Ah! Mais Oh. qu'est pas ça? Bah je vais juste jouer un 1-1 pour l'instant. Alors déjà, est-ce que tu ferais pas la phase d'attaque? Parce que t'es obligé d'attaquer avec Toski. Ouais, ça change rien, non? Ça sert à quoi? Dans tous les Bah cas, si bah, il te laisse draw, peut-être ça te fait d'autres plays. Et jamais il nous laisse droit. Elle t'attaque pas avec géant? Non, il va bloquer avec sa colonne. Ouais, je crois pas. Hein. Moi, je suis plutôt chaud de d'abord jouer mes tueurs. D'abord piocher là. Mais t'as tavernier donc tu vas piocher, ouais. Pourquoi ça marche pas? Pardon?
Putain, je suis en phase d'attaque du coup. Pac! Ah non, t'es en phase. T'es dialogue keep, t'as pas eu un Ah, stop. c'est bon, ok. Heureusement que ça met un stop. Hein. Parce que sinon, tu faisais directement ton spell sur Sacré-Lœur. Ok, ça on va le jouer pour faire le petit token. D'ailleurs, si tu veux éviter de prendre 4, il faut pas que tu joues ton tueur de géant, il faut que tu joues l'aventure sur son sacre lame à sa phase d'attaque. Non, parce que je peux bloquer avec Sentinelle aussi, vu que ça a la portée. Il va engager ça et je bloque avec ça. Ouais, mais tu préfères pas garder ta sentinelle? Parce que ce tueur de géant, ça gère quoi dans son deck? Bah, Alvar. Il le joue? Ouais, ah oui, 3. Ok. Non, je suis plutôt enclin à bloquer avec ça. D'accord. Bon, bah, du coup, là, tu fais fin de tour. Ouais. Pas le choix, hein. Ouais. Oh, je peux décider Fin de peut-être tour qui. ou tu joues quand même tueur? Non, je le garde, tueur. Ouais, tu gardes, ok. Ouais, je le garde pour Alvar. Oh, tu mets un marqueur sur toi, ce qu'il a. Non, mais par Il contre, nous reste un petit. je peux peut-être Toski pour avoir un bloc facile. Ça me va. Ouais. Parce que s'il fait Alvar, dans tous les cas, il peut pas nous tuer. On aura quand même le chum block. Donc, même s'il fait Alvar ce tour-ci, je pourrais le tuer en rituel. Ouais, c'est pas mal de garder Toski pour enable un token, sinon, non? Ok. Why not? Là, il commence à pas trop avoir de cartes en main, genre il va pas pouvoir non plus et jouer des Alvar et sacrifier, défausser pour. Pas sacrifier, pardon, l'instructive. Il le peut encore, mais je sais pas s'il a envie de le faire beaucoup. En tout Pas cas, il ne tant peut que ça. pas Alvar plus s'engager avec tueur de géant. On n'est pas mort. Je crois qu'on est en train de le mettre échec et mat, mais ça prend un peu de temps. Ouais. Bah, on le laisse attaquer, hein. Allez. Il a pas décidé de. Il peut l'engager après. Je sais pas. Ouais. C'est qui garde pour double engager. Pour engager Sentinelle, engager notre truc. Ouais, je comprends pas bien pour l'instant, mais why not? On a notre tueur qui va engager son sacrelab. J'aimerais bien qu'il descende un Alvar, mais il l'aurait fait en main phase. Ça nous aurait permis de recycler ça. Bah non, let's go. C'est dur, hein. C'est dégueulasse d'avoir 4 Toski. Voilà, je crois que tu. J'ai fait tueur de géant, piocher, Toski, hein. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ouais. Que peut-on Carte faire d'autre active. même? Sachant que maintenant, en plus, il le protège son Alvar. Je vais proposer ma phase d'attaque et jouer Ouais. mon Toski. Peut-être qu'engager, c'est bien. Faudrait Après, peut-être que tu payes à la main. on est quand même en train de la gagner cette game, donc Osef, Ouais, mais c'est pour le long, coup. quoi. Oh, Dieu que c'est long. Ça, c'est pas grave. Les gens demandaient du C'est pas. rab, les Ouais, c'est vidéos long. étaient trop courtes. Ouais, pas de problème. On va voir combien de temps on prend. Ça va. Oh, et c'est lui qui nous a sucé la clope. La cloque. La clope. Il nous a sucé la clope. Ça déborde. Faut pas nous laisser jouer aussi longtemps. Garde du blanc quand même. Ouais. Utiliser Bon, tout le dans tous blanc. les cas, on a. Avec un vert, ouais, c'est bon. Pas de son, tu t'avais pas de vert engagé, donc. On est bien. Toski était pas casté. Moi, je fatigue là. Excusez-moi. Ah oui, tu veux que je prenne le relais? Non, t'inquiète, je vais Ok. finir celle-là. Tu prendras, tu auras celle d'après. Est-ce que je peux prendre une pause? Tu veux prendre ma pause maintenant? Prends ta pause aussi. Parfait. Et non, je fais pas une sieste. Je m'en fous, quoi. Qu'est-ce que tu veux y faire, oui? Oh, le bruit! C'est quand même une divinité, cette daube. Oui. Une vraie grande divinité, hein. Oh, Genre, grande, je sais pas. c'est du genre dans le lore, c'est Saarulf, Koma, Ah oui, ouais. Toski. Ah, il en faut pour tous les goûts. Et il a un petit crochet, j'avais pas vu à la patte, t'as vu? Genre, Toski. Ouais, un dieu, ça doit pas forcément être giganto, hein. Le dieu de la forêt, il peut être tout ch'ti. Pour moi, ça le doit. Et qui a le doigt? Qui a le doigt, ça, je sais pas. Vous avez le doigt à la maison? Va devenir compliqué cette game. Après, il n'y a plus de land au bout d'un moment, donc pas plus simple. Ouais. Bah écoute, je crois qu'on va rien faire, on va juste engager son truc. Ouais. Passe le tour ou on fait double Toski pour quand même avoir un token? Bon, non, pas juste le tour là. Double Toski, c'est vraiment nul. Nul. C'est vraiment genre concéder que notre liste n'est pas adaptée quoi.
Pourquoi on a joué 4? Putain, il y a un monde aussi, on pioche genre 4 esprits, tu vois, on pioche 4 toski. Et on Je... fait plein de tokens. J'adorerais voir ce monde un jour. Il serait beau. Hein. Il serait aussi beau que le monde d'avant. Mais il n'y a pas le S1 corona. Oasis. T'as mis tout. On régène un tueur. Tu penses que c'est divertissant là ce qu'on propose? J'ai mais si. Si. Oh, rigole. Si. Hop. Êtes-vous diverti à cet instant T? Il faut nous le Dites dire dans dans les les commentaires. commentaires. Merci, je suis diverti. Est-ce que c'est divertissant de nous voir galérer contre ce deck? Crois que j'ai faim. T'as faim? Crois que j'ai faim, On va Val. chercher des croquettes là, les petites noix là. Truc pour ton chat, là. Mais non, pas Pas de chat. celle-là. Qu'est-ce que tu fais, gros? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Je vais y mettre un Floridron, moi. Oh, mais y un Floridron, ouais. En vrai, il pourrait concéder. Il n'y a pas d'issue favorable pour toi, c'est trop. C'est trop, PO. Si, si, si. Non, oui, ouais. Ah, parce que je suis sympa. T'aurais peut-être souri si t'avais mangé 2-3 noix du Brésil, je pense. J'ai plus de noix du Brésil. C'est les croquettes. Oui. Ah, Bah oui. je vous demande là. Ah, d'accord. Bah, tu C'est t'attendais à les quoi? autres Tu croquettes. pensais que je te disais d'aller chercher vraiment des croquettes? Et beaucoup les croquettes là. C'est les petits fruits secs, quoi. Les fruits à coque. Ah! Ah, mais ça c'est bien ça. Ça, c'est le plaisir, hein. Attends, on attaque d'abord avec Attaquons. Toski. Tu mets pas un petit coup de Jean Krakos là? Oui, j'ai un petit coup de Jean Krakos. Non, mais attends. Regardons les blocs qu'il peut avoir. Non, bah non. Bah, on trade avec son land, on s'en fout. Bah, c'est pas notre but. Bu. C'est pas notre but, c'est chiant de Ok. perdre des bloquants, je Bon, non, mais pense. si c'est chiant, j'accepte. Après, il se retrouve avec plus de board que nous. Y a un moment, elle va tomber la calotte, hein. Je te le dis. Est-ce qu'elle tombe maintenant? Oh, j'entends ton bide. Mais attention, ça t'a payé avec deux mana blancs. Ouais, c'est bon. Ouais, celui-là. J'ai regardé avant l'autotap ce Ah qui oui, mais clear. il va t'engager un tueur, donc ouais. Ouais. Il suffit d'avoir un mana blanc. Ouais, le bidou qui fait... Oh, C'est bon là, tu ne gagnes plus cette lot. vois? Regarde, tu es échec et mat, ce n'est pas Vois-tu possible. comme c'est long, Val? Sens-tu comme c'est long? Après, tu vois, c'est les petites games où tu grindes et tout, c'est ça aussi Magic. Tu vois, celle-là, en fait, si on finit par la gagner, cette game, elle me plaît. Quoi? Mais quoi? Normalement, c'est Alvar, c'est pas Mothra. Il s'est trompé. Alors, cette game, si on vient à bout, moi j'adore. Voilà. Mais tu sais qu'on va gagner la une là, et ensuite on s'arrête. Tu penses? Oui. Ah, ok. Eh Non, on va au bout où les gens seront deck sinon. oui, tu Je génères de la connais moi les gens. frustration. La suite de la prochaine vidéo. Oh, la À suite va vous 10 000 pouces étonner. bleus. Souvenez-vous, dans le dernier épisode de Valet PL, Magic Arena FR. De Valet Toski. Merde! Arrêtez! Moi je n'en peux plus là. Mais c'est un scandale là, le nombre de landes qu'on pioche par contre. Et du nombre de Toski, parle de tout. Mets bien des mots sur tout ce qui ne va Ouais. pas. Est-ce que tu ferais pas. Il peut pas engager avec tueur de géant là. Un de tes tueurs. Donc est-ce que tu ferais pas tueur, j'engage mode Fallen. J'attaque avec 2-1-1 pour draw 2. Mais derrière, je peux. Enfin, je Et peux plus engager sa 6-4, si t'as quoi. ton tueur pour engager son sacre lame. Mais non, mais il va m'engager le tueur. Et en réponse, t'engages sacre lame. Ah, parce qu'il peut pas le faire fin de Et il tour peut pas là. le faire, il a qu'un mana là. Ok. Fetch donc parce qu'on a marre de piocher de la Oui, merde là. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, on n'a pas d'intérêt à pas shuffle. Hiver là. Tout ce qui nous reste, hein. Je vous montre. Oh, Et j'ai vu que des il y landes en a là. encore des landes. Il y a Hein. des scales. On joue 4 scales là. On joue 4 scald. Ce qui nous ferait instantanément win Allez. la game ici. Engage donc Fallen. C'est de la merde ça. Ah, il peut donner protection blanc. Ah, mais ça, vraiment, n'hésite pas. Ouais, vas-y. N'hésite pas, c'est trop à faire Il le ça. fait pas. Phase d'attaque. Phase d'attaque. Toski. Et les deux. Un fly. Là, du coup. Il bloque avec Sacre Lame, Ouais, il mais bloque t'inquiète. Non, Sacre-Lame. juste avec ça. Valide. Est-ce qu'on peut mourir? Non. Est-ce qu'il y a une séquence qui nous tue? On ne meurt pas, va, je te jure. Fais-moi confiance, Val. J'ai tout calculé. J'ai déjà lu le script de cette game, parce que ce sont des acteurs, paid actors, Sub. et ça a très bien se passer. Juste que c'est long. Méfie-toi. Quoi? Quoi? Quenet, Quoi? il a besoin que ça meure. Ah oui, il veut le faire revenir en Batfly. Avec le Fallen. Ah! Ça nous baisse ça, un peu. Un petit Allons, on peu a là. encore Sentinelle, on va. Non, mais On aura c'est. pas de draw de Non, nos mais landes là. c'est chiant, tu vois. Voilà.
je te le dis, ça me fait chier, quoi. Pas drôle, deux landes, Val. Un land. Parfait. Esprit au clairon. Sugoi desu ka? Et Toski. Ah mais non. Toski. Si, si. On n'a rien joué encore. Hein. On n'a rien joué, ouais. Are you sure? Toski, ça te garde ça, ok, ça va. Yes. Prends Token Fly, et là, il est content, là. Content, Gaëtan. Dis pas joli, concède, c'est trop. Fais-nous gagner du temps, s'il te plaît. Tu sais ce qu'il disait, Gaëtan, dans le film L'Atlantide? Non. Dessin animé. Quand est-ce qu'on creuse? Mais comment tu te souviens de ça, quoi? Parce que c'est dans la bande-annonce. Oui, oui, mais tu l'as vu quand? Bah, il y a très longtemps. Il y a 10 ans, quoi. J'ai vu beaucoup la bande-annonce. T'as un petit tiroir à film. À malice. Un petit tiroir à malice dans le cerveau. Mm. Et là, tu vois, quand les games sont chiantes, ça s'ouvre, quoi. Ah bah là, il déborde. Il dit, oh putain, il faut que ça sorte. Il faut aller piocher, quoi. Il faut que tu parles aux gens de trucs. Attention sur des gens d'engager une petite. J'allais 6-4, par exemple. J'allais appuyer. Hein. J'allais faire de la merde. Hein. Molière. Parce que j'allais faire des bêtises. Là, le Gonz en face. Il sait pas que si on draw des créatures. À gagner. Ou des scalds, on fait spell, spell, spell. On fait j'ai une conversation à trois, hein. Je parle à toi et à ton ventre. Oui, c'est fou. À mon ventre vient faire. Il acquiesce ce que tu dis, quelque il part. Il est en train d'imiter Jafar. Je suis fatigué. Quand j'étais petit, je confondais Yago et Zazouk. Voilà, je le dis. Mon chat, ça. Non, non. J'ai jamais vu Aladdin. C'est pas vrai. Mais je t'ai dit, j'ai une enfance super triste. Moi. Ah ouais? Non, mais non. C'est pas parce que t'as pas vu Aladdin que c'est super triste. J'ai vu aucun. Bah, cite-moi des Disney, je les ai pas vus. Bah, t'as vu au moins Cusco et l'Atlantide? Ah bah, j'ai vu, ouais, bah, j'en ai vu deux, trois quand même. À un moment donné, j'ai vu des Disney, tu vois. Non, mais voilà. Yago, c'est le piaf de Jafar. Et Zazouk, c'est le piaf de Scar. Enfin, non, c'est le piaf du Roi Lion, quoi. Ah, Zazouk, il s'appelle? Ouais. Ok. J'ai vu le Roi Lion. Ah non, il s'appelle Zazou, je crois. Oui, c'est Zazou. Eh oui, et ça à côté de Sasuke. J'ai vu le Roi Lion, j'avais 20 ans, je crois, ou 21 ans. Eh ouais. Bah, il n'y a pas d'âge. Hein. Je l'ai vu 20 ans après sa sortie. Eh ouais. Du coup, t'as pas pleuré. Bah, je savais ce qui se passait, quoi. Alors que moi, quand j'étais petit. Aucune surprise. C'était en mode. Quand même, Mufasa. Faut être mon papa, quoi, tu vois. Mufasa et Stukasa, comme on dit. Blocage. Content de rendre ça. C'est le game. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'on va la gagner, donc c'est lui qui est deg, tu vois. Ah, mais je te dis là, c'est sûr qu'on s'arrête. Hein. Ah ouais? Non, c'est pas sûr. Ah, on a plus de son. Eh ben, vous voyez, on passe en mode de insonore. C'est fou, ça, par contre. On a le droit de dire que c'est fou, c'est fou. Ok. Après, tu as quand même draw 3, donc tu as trouvé autre chose. Attention, hein. Si on draw 3, là. Ah, il faut draw 3. Il faut draw 3. Ah, il faut draw 3. Si on a 3 landes, on a perdu la game. Si on a 3 landes, mes couilles. Voilà. Je te le signe. Si on a 3 landes, je te l'écris. Si on a 3 landes, tes couilles. Je te l'écris sur un papier si tu veux, si on a 3 landes, virgule, mes couilles. Tu en fais, j'en fais ce que j'en veux. Non, juste, c'est un fait, tu vois, c'est un état de fait. Vas-y. Oh, j'aurais bourré avec l'esprit au clairon, moi, j'aurais attaqué avec tout. Là. Non, non, ouais, ça va. Reste tranquille, on a déjà throw une game, c'est bon. Oh, le throw. C'est bon, ça va 2 minutes. Hein. Oh, il veut que mais ça revienne en backfly. Bah oui. Eh bah oui, putain, eh oui. C'est fou de plus avoir de son. De son. Draw 3. Oui, sa merde, elle revient, on s'en fout. Ça me bat les couilles. Donne-nous des cartes jouables, s'il te plaît, des playable. Pas un land. Yes! Ah, elle est dans le deck, merci. Pas un land. Yes! Voilà, parfait! Voilà! Là, on va se faire plaisir. Merci beaucoup. Merci le jeu. Ah, c'est, là, il explose. 100%. Fait vérifiable. Fait vérifier. Fait voir. Je te montre. Fait divers. Fait d'été. Fait intempestif. Fait un petit token là. Comme ça là. C'est ouais. Donc ça que tu voulais voir. C'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais, Val. Là, t'as assez de mana pour engager des trucs, faire un berger du troupeau potentiellement. Je crois qu'il faut juste passer là. Faut juste passer le tour. Token. Et on mettra un max de marqueurs. Bah, okay. Tu vas le mettre sur une bedfly qui pourra pas bloquer et tu gagneras. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, je crois que c'est. J'aime bien ce jeu. Et stop pour quitter, on dit. I stop it. C'est d'où ça vient ça? Non. Ça vient d'un petit film aussi. Ah ouais? Ça vient de la tour Montparnasse infernale. Pas de souvenir. Je l'ai vu, hein, mais pas de souvenir. C'est fou. Hein. Mais je l'ai vu plein de fois. D'avoir vu des j'ai films. Plein de souvenirs, moi, du coup. Ah bah, si tu l'as vu plein de fois, c'est normal.
aucun souvenir de ce truc-là. Si peut-être la réplique, j'adore le caca, je ne sais plus comment il fait. Le caca, c'est très Le bon. caca, c'est Ouais, délicieux. voilà. Monsieur approximatif. Puis quand t'as dit ça, j'ai dit, bah, c'est pas dans le film, ça. J'adore les excréments. Non, non, Val. Ah, cette fameuse réplique. Mais personne n'a dit ça. Si vous devinez la couleur des quatre cartes qui sont dans ma main, Tu sais qu'on a une autre vidéo à tourner après. vous gagnez un bonbon au chocolat. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Renan? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Renan? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah, il se met à trembler, c'est. Ah, il est pas bien. Alors, je vais convulser hein, à la fin de cette game. Alors, quand le mec va exploser, je pars comme ça, hein, je tombe. Ça va qu'elle est purement récréative la prochaine. Oh, mais exactement. Elle Parce est. que là, il est midi 16. Et dans Ça fait un moment qu'on y est. récréative, il y a créative. Devinez la prochaine Et vidéo. il y a Ré. On va la tourner à l'île de Ré. L'île de Ré créative. Non. C'est quand qu'il n'y a plus le Covid qu'on fasse des girées rossées chez vous? Je suis trop chaud. On loue un tourbus et tout. Pour deux. Oui, bah oui. Vous avez besoin Mais d'un non, bus? il y aura Ah, mais notre c'est équipe bien. technique, t'as vu? Oh, la Reggie. La Reggie. Oh, Il y aura Lancelot. Reggie. Mais tu sais que Il sera là, là. le tourbus, je crois que ça va juste être ma 206. Hein. Ah non, moi je veux un tourbus, Ah, je gros. veux un tourbus, merde. Après, je veux un tourbus. Tout le budget est passé en tourbus. Ah bah on On n'avait plus envoie de colonne et un caméra. Kickstarter, le tourbus pour Val et PL. Pouh! Ça coûte combien un On achète tourbus? un bus, comme ça au Pour moins on peut le faire. environ 3 semaines, ça coûte combien un tourbus? À louer? Non mais on fait que Sachant chum, Valet PL et tout, enfin il est qu'on ouf. paye pas la nourriture, les gens nous invitent, on va rosser chez Attention, il eux. faut un. Voilà. Je raconte des conneries, je ne peux pas jouer et Oui, raconter des ben, conneries. il faut gagner cette game. Ben, parce qu'on sait qu'elle est gagnée, Reste. mais il faut la gagner cette game. Depuis le tour 4, on a 7 pev. On va la gagner celle-là. On stabilise comme. Le but de gérer rosser chez vous, c'est que si on gagne, on paye le repas. On garde la maison. Allez, c'est toi qui vas rosser les autres maintenant. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Je passe en phase d'attaque? Je deviens Oui, fou. oui, oui, Je oui. deviens dingue. Il y en a C'est 7 Célestina, cartes. quelque part, C'est Naya. scellé. Ah mais oui. Mais oui, Et parce c'est que tu pour l'as dit ça. toi-même, hein, il y a très peu de rouge. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de blanc et Il de y a vert. très, très peu de rouge. Indice. Hop là, vous avez pas vu, vous avez cru qu'elle était Après, il bleue. Elle décide de était pas la rouge. concéder aussi, c'est trop. Qu'est-ce que tu fais quand? Merde, à un moment. Il porte très bien son pseudo. On fait quoi? On récupère ça, on récupère quoi? On récupère. Non, tu fais Dis-moi pas, là. tu prends pas de marqueur, tu récupères Qu'est-ce qu'on vertu. fait Fin là? de tour. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, mon tour. Par contre, les landes, on a tout pioché, quoi. Plein le cuc. Passage. Non, parce qu'il y a peut-être plus de land dans le deck. Pas passage. Il y a des landes dans le deck. Je vais en enlever un de plus. Ma Il y a bonne encore une idée. forêt, non? Une plaine ou une forêt? Une plaine. Ah, Non, c'est il une n'y a plaine. plus qu'une forêt, je dis. Putain, il n'y a plus rien, voilà. Mais elle est où alors la plaine? Mais Elle est notamment. là. Oh putain, Il n'y a qu'une merde! forêt? Ah, il n'y a qu'une forêt, Ah, parce merde, je qu'il croyais qu'il y en avait deux y a des moi. florets. Ah! C'est pas grave. Il n'y a pas besoin de se lendre. Fait bête frappée. Vas-y, un draw. On a 22 cartes, on va peut-être mourir. Ah, Non. il a tout gardé pour bloquer. Hein. Oui, t'inquiète. Le malandrin. T'inquiète, t'inquiète. On peut pas juste attaquer avec tout là et gagner? Le malandrin, le malotru. Si, si. 4, 5, 6, Et 7, avant, on va 1, juste 2, tout 3, buffer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, mais oui, mais on attaque avec tout, on a gagné là, Mais Val. oui, Oh putain. mais laisse-nous aller au bout des Oh, le choses. géant Laisse-moi crackout. savourer, tu vois. Oh, je te laisse savourer. Non, juste savourer. Ah, tu le fais maintenant? Oh, on sent pas les couilles. Ah, tu peux mettre deux face. Enfin, en fait, si tu le fais pas maintenant, c'est 3 points, le géant. Parce que tu mets sur un truc qui est pas bloqué, plus 2 points face. Ok. Voilà. Ok. Forêt draw. Ouf. Un En fait, butterfly. ça met plus de tokens, mais ça met plus de marqueurs aussi. Ça lui oblige à jouer Oh son cœur de putain! géant. Mais tout ça Merci! pour ça, merde! Merci, quoi! On Ah, a quel bien vu qu'elle est plaisir! perdue. Ça va être beaucoup plus rapide, C'est la fin de celle-là. cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Non, Pouce bleu, commentaire, pas la partage, fin, c'est pas la abonnement. fin. Si vous voulez me soutenir sur la, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description. Avec notre chaîne Twitch, ValPL Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Val, t'as pas dit en même temps? Mais c'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Ah, vous allez en chier. Vous voulez des vidéos longues? Vous allez en chier. Et on va en chier, nous aussi. Voilà. Voilà. Comment on side? Moi, je t'aide pas pour le side. Tu m'aides pas? Moi, Ok. je voulais partir. Toi, tu veux rester. Oui. Mais peut-être que. Attends, c'est trop, il va peut-être concéder. Hein. C'est vrai. Moi, je siderai pas, j'attendrai. Non, mais on side Je quand fais ça même. en GP. Je gagne la une, je regarde le mec, je fais. On s'aide pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas perdre, de toute façon. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, En je vrai, suis on pas s'en ça. fout de Prophétie de Feu. Je suis pas une personne Pas détestable. un jeu Comment ça, on s'en aventure. fout? Bah ben on s'en fout, ces bêtes sont indestructibles ou trop grosses, c'est pas le plan de jeu quoi. Notre plan de jeu c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est tout en fait. C'est l'entièreté. Ouais.
C'est quoi, j'ai enlevé un land? Se battre bec et ongles, c'est pas bien? Parce qu'Almaillé le sacrifie. C'est vrai que c'est mignonnet. Vas-y, maison, hein. Tu sais Tu quoi, c'est trouves à Saïté que ça va être ouf. ça mignon? Du coup, Ça va être on ouf. enlève deux landes. Ouais. Parfait. Mec, on a sidé. On a un deck contrôle maintenant. C'est instant On a win. le meilleur deck, quoi. Par Je colle, contre, hein. T'es stealth, on a si on win. perd celle-là, par contre, il n'y aura pas de troisième game. Ok, on fait status quo. Statu quo. C'est un compromis nul aussi Quo? cette fois-ci. Quo? Je sais plus. Statu quo. Bon, il y avait un statu quo. Status quo? Et j'en ai un ça. Statu quo. Un indice sur les cartes, enfin la couleur des cartes que j'ai en main, elles sont vertes. Ah bah, c'est un bel indice, quoi. J'ai pas dit s'il n'y avait pas d'autres couleurs. Il n'y a pas d'autres couleurs. Oh, c'est qui? Oh, mais c'est formidable ça, Je vraiment. vais pas faire le. Tu sais comment elle est cette main? Excellenza, Non, je viens de le comme dire. la Piadina. Elle est formidable. Elle est Oh, les formidable. Piadinas. Si vous avez un Piadina, une Piadineria près de chez vous, allez-y, c'est fou. Enfin, allez-y. Allez-y avec Uber Eats, hein, parce que ça doit être fermé. Mais franchement, dinguerie. Oh, Code comment ils Valet viennent? PL chez la Piadina, ils vont dire Que cos'è questo? Donc, vous dites, t'inquiète. TKT. On dirait 15 euros. Il est pas très bien le code. 12,30 € val. Menu Sur XL, Uber. Piadina, Sur Uber, Excellenza. gros. 15 euros. Et bah, Uber, utilise des gambettes un peu. Le sang. Alors, Prenez par la contre, Excellenza cette d'ailleurs. lot, excuse-nous, la vidéo elle fait déjà 1h16, parce qu'une minute 16, ça serait un peu court. Est-ce que tu pourrais bouger ton cul à jouer la plaine, il n'y a que ça à faire dans ton deck, quoi. Oh. Ouais, top deck mana blanc pour faire esprit tour 2 et Jean Krakos tour 3 À un moment, et le Roi Émeraude. faut pas m'énerver, quoi. Oh, calme, oh, calme. Tranquillou, hein. Mana blanc? Mana blanc, mana blanc. Non, Ouais, mais et il faut non. choisir quel est le mana blanc de sa main qui va Non, poser. mais. Nous. Putain. Oh, bloc. Je crois que je bloque. Non, mais je rigole pas, je bloque. Oh, vas-y, bloque. Mais ça n'en est pas là. Il fait A. Y a rien à faire. Fin de four. La voix fatiguée. La balance, C'est grave. forcément. Je l'aime bien, ça. Oui, c'est de la merde. Ça nous emmerde surtout. Je crois que tu lui mets 2 points. Non. Mais 2 points, voilà. Ah non. Ah, si. Sérieusement? Ouais, c'est un sketch, ça, par contre. Mana rouge. On a encore le temps de piocher un truc. Tranquillou, Il faut tranquillou, va. absolument piocher ce mana. N'importe, même s'il n'est pas blanc, c'est pas grave, je m'en satisferai. Très bien. Pourquoi tu parles comme dans un roman? Qu'importe la délicatesse. Pourvu que ce mana soit blanc. Mais c'est un Je peu, m'en satisferai. on est un peu dans une tragédie là. Ah bah là, oui. Non, c'est plus ce registre pathétique, là. C'est dur. Franchement, elle est bien. C'est La dur. game qu'on a gagnée avant, elle est Franchement, bien. elle est Elle bien. est vraiment bien. Au pire, on fait fi de la game d'avant. Tu mets un timecode. La game commence à 45 minutes. Et tu sais, avant, c'est pour ceux qui veulent voir. On sait pas. Genre, on sait pas. Je vais mettre un ouais, gameplay, genre 6 minutes, gameplay intéressant, Je 57. Et on fait quoi? Allez, là, 2 points. Ça, c'est Indestructible Boy. G. Allez, perds des cartes dans ta main là. En vrai, avec nos deux géants, Bon, ouais, j'ai juste, un on joue salut des quoi. fausses, hein. Ouais. Tout Naya des fausses. Je veux juste un land. Franchement, je demande pas Land plus. blanc, maintenant, voilà. Ça serait beau. Ne regarde pas, je te dis si on pioche land blanc. Et je ne te mens pas. On a pioché land blanc, voilà. Yes! Vandal masqué, ohé ohé. Non, je crois Non. pas. C'est esprit là, Ça peut plutôt. être Jean Krakos, ça peut être Esprit. Tu penses Esprit et on prend 3 points? On peut prendre 3 points, ouais. Donc Esprit, Ouais. pour Est-ce que cette. tu pourras Vandal son maillet ton prochain? Il est vrai, cela ne se peut. Ah si, cela se peut. On a bien fait de la lancer la deuxième. Je sais pas. Si, si, si. Si, Ah, si. si on gagne, tout sera pardonné. Alors, laisse-moi te dire que Redan, on en a rien à C'est foutre. une, deux, trois fly. Voilà, vraiment. Petite devinette pour deviner la carte que j'ai en main. Je vais vous donner son nom. Omnath, Locus of Mana. Faut deviner son CCM, c'est J'ai 2 plus une forêt. pas compris le système de devinette. Oui, tu fais. Rien. À cause de Redan contre nous, qui n'a aucun chance. Pardon, excusez-moi, je deviens fou. Tu peux Vandal géant pour faire un token, c'est pas fou. Je crois que tu veux juste Ouais, géant Krakos. c'est vrai. Du coup, on fait pas le token. Tu peux aussi attaquer et tuer Redan avec géant. Ah, ça c'est quand même C'est un peu moisi, moisi, moué, un moisi. peu moelleux, Ouais. quoi. Je crois que ça, on sait que ça fait gagner. Oui, on a Fort. vu. Ça fait pas mourir et après ça va gagner. C'est ça. Après, au pire, Pendant 12 on minutes. gagne à la cloque, hein. Ouais.
C'est lui qui a plus de clopes que là, toi, c'est t'es fou, hein. sûr au moins, Il est tout seul, lui. Hein. T'es sûr au moins Enfin, je que pense. dans 11 minutes, cette vidéo est finie. C'est pas C'est beau? vrai. Ouais, c'est bien. Ça fait plaisir. Il pose un petit land. Je le pose en rouge, je le pose en blanc, je le pose en rouge. Blanc. Parce qu'on... Eh non, parce qu'on a Jean Krakos. Rouge. Blouge. Blanc-rouge. Comme la pub Volkswagen. Je sais plus prononcer Volkswagen, faut que je bouffe un truc. Je suis en train de penser à une histoire, tu sais, est-ce que je la raconte? Et je me suis dit que c'était pas intéressant, donc je vais pas le faire. Tu dises, t'es obligé une fois que t'as dit ça. Non, c'est vraiment pas intéressant, donc... Ok. Si je la raconte vraiment, il va faire La prochaine fois, PL, ferme-la. Bon, à 5. Alors, en vrai, je peux proposer le trade, il défausse, et bah, derrière, il c'est... Il fait trop bien des bruits. Ah putain, il a posé un softer, mais j'y suis plus du tout, moi. Ce qui est toujours pas softer, hein. Ouais, t'as compris, quoi. Enfin, moi, je me comprends. Redan nous met dans une sauce, gros, c'est insane. Ah, par contre, là, tu peux faire Vandal masqué, Jean Krakos, tu fais un token, un fly, et tu butes un sacre lame. Ouais, enfin, un sauveur, sauveur. Du coup, quoi. Ouais, bon, on va le faire, de toute façon, on en est là. Hein. On en est là. Hein. Oui! Ah, par contre, attends. Est-ce que tu fais pas phase d'attaque avec Jean Krakos? Parce que suivant comment il bloque, s'il veut sacrifier sauveur ou quoi, tu peux mettre. Tu peux le tricks avec géant. Bah, je le tricks comment? En fait, il bloque là. Ouais, et il sacrifie sauveur, et il en décide... réponse, tu sacres l'homme. Il a perdu deux bêtes. Ouais. Ou alors tu gardes pour son tour. Si à son tour il attaque, tu bloques Tachkolam avec Vandal. Ouais, je ne trouve pas forcément frais. Ouais, je quoi. Crois que tu fais pas de phase d'attaque et tu gardes ton géant et ah, mais ton non, token. Mais... Eh ouais, mais non, c'est grave de pas avoir le token. Ah ouais. Bon, alors tu. Ah, si sauveur. Jamais il m'est maillé. Enfin, tu sacres l'âme et il sacrifie sauveur. Vas-y. Non, mais sinon on peut faire la phase que t'as dit, phase d'attaque, mais du coup ça veut dire que derrière lui il a un beau comeback. Ouais, quoi. Non, ouais. Donc on peut juste faire géant sur sauveur. Sur sacre l'âme. Ouais. Sacre l'âme, sinon sauveur, ça nous fait perdre le sauveur. Ça nous fait perdre le géant Krakos. Ah! On devient fou! Voilà, tout simplement. Après, ouais, au pire, sur la gueule. C'est quoi, viens, on gagne au time, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça aussi, Magic. Quoi. 12 minutes contre nos blancs, c'est long, hein? Quoi? Il a pas. Parfait. Parfait, voilà. Ouais. Qu'est-ce qui se passe du coup en attaque? Oh non. Ah, tu sais pas ce qu'il pioche. Il a Faceless 7 qui peut animer. Oui, c'est vrai. A Faceless 7, d'ailleurs, je trade. Samba. Ah oui. Il perd un land, il perd une bête. Et c'est fou que là, les cartes qu'on voulait absolument piocher, on se fait wrecked par Redan. Putain, il top deck maillé. C'est insane de top deck maillé ici. Ça rend fou quand ouais, même. Tu as bloqué avec un 1, mais. Ouais, mais c'est quand même assez. Méga chiant. Assez honteux en fait, quelque part. Ah, c'est full chat. Oui. On peut le dire. On peut le dire. J'ai les termes. Les termes ont été dit. Oh, nous aussi. Coche bien. Ok, Sentinelle, Into Géant. Et Sentinelle, si on top deck land, on pourra enfin jouer notre garde à cross. Et gagner. Quel plaisir! On y croit encore! Tu peux m'appeler un land sur le dessus, s'il te plaît? C'est quoi le numéro des landes? 08, 36, 65, 65, 65. Appelez ce numéro vers novembre, décembre, vous verrez. Vous verrez, vous allez perdre de l'argent. Vous verrez quoi? La facture? Je sais quand qui arrive le cadeau. Oh bah c'est à la fin du mois. Aïe 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 aïe. Il attaque avec Sentinelle. T'as raison. Non bah il va jouer encore un truc super, je suis un 4 là. Avec ses 4 mana. La Blood Moth. Qui joue ça putain quoi. C'est pas un land. Voilà ce que j'en pense. Eh ouais hein. C'est triste que ce soit pas un land putain de bordel non, de merde. Parce qu'en plus, on a fait bien des foules dans nos autres games et là on pioche bien pas nos lands quoi. Ouais, bah après on pourra quand même faire garde à cross tour d'après. Est-ce qu'on est vivant d'ici? Non, mais on sera obligé de chum block quand même en fait. Pas de face attaque hein. S'il rééquipe là, il nous met 5, 6, 7, on est à 1. C'est chaud hein. Oui. C'est chaud, c'est chaud. Ça se fait que cette carte qui est pas censée être sidée dans le match-up se retrouve dans un spot où elle nous défonce. Donne-lui un petit Vandal masqué là. Oui, oui. Par contre, j'aurais rééquipé moi à sa place. Ouais. Je vais prendre 4. Bah, en fait, je crois qu'il nous tue en 2 tours dans tous les cas. Parce que c'est plus 2, plus 2. 5, 6, ouais. 7, ouais. Ok. Ok, on n'en avait pas okay, spécifiquement nice. Besoin, mais ça nous fera ça un bloqueur porté. Ouais. Donc, land blanc.
Garde accro sur Redan, on est d'accord. Exact. On y va. Et on engage notre clairon. Ça va nous proposer d'engager celui qu'on... Ouais, l'esprit, ouais, exact. Confirm. Pour Redan. Ok, ça part de là. Et ça fait plaisir. On va stabiliser à 4 PV. Je crois pas qu'il faille attaquer. Ouais, mais c'est pas grave, tout à l'heure, on a stabilisé à combien? Pareil, 7. Hein, dans ces eaux-là. 7, quoi. J'étais ouais, plus voilà. Confiant. 4. Change tout. Ouais. Apparition du Force Céleste. Ce méga relou. Voilà. C'est super chiant. C'est juste méga. Super chiant. Méga relou de fou, quoi. C'est insane. Il a top deck, hein. Je te le dis. Il a bloqué le géant, sinon on est mort. On n'est pas mort, non, on est mort mais... pour suivant. Mais pourquoi pas. Il a top deck, tu penses? Ah, je pense qu'il a gardé dans la main. Il garde hein. Ses cartes. Mais il y avait pas genre plein de tours, c'était bien de faire apparition. Je sais pas, peut-être qu'il savait qu'il y avait que ça qui nous... En fait, il sait qu'on a des cartes qu'on peut pas jouer en main, donc il se doute de ce que c'est. C'est bon, ça nous fait vivre. Ça fait deux spells. Ah, sinon, non, on fait confrontation. 1, 2, 3, 4. Confrontation, et c'est ah, bon, attends, je crois que tu peux faire mettre. Gratuitement un token into confrontation. Ok, c'est-à-dire que je fais token et après je fais confrontation? Ouais. Ok. On est sûr, hein. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, t'as plus qu'un bloqueur. Eh non, parce que tu as fait un token, donc t'as deux bloqueurs. Un pour Raidan, un pour ça. Ouais, je crois que c'est bon. Ok, de toute façon, pire, Raidan nous met que deux. On y va? Ouais. Sûr, hein. Ok, intérêt de le faire dans ce sens. Pour engager attends, la... Non. Attends, mais s'il engage la... Non, on aura un bloqueur vol, donc c'est bon, on pourra bloquer sa colère. Donc on est bon. Ouais. Je fais token. Cela ne se peut. Ok, donc là, comme ça. Ouais. Qu'on confirme. Et après là, ça va nous demander aussi d'engager le clairon. On est ok? C'est ça. Et là, on aura géant notre pour ses bêtes. Et t'as le token pour Sacre Lame. C'est ça. Ou pour Redan, ça dépend. Si on la gagne, celle-là. On n'a pas landé. Oh, oh, ça tu c'est... peux même faire un petit token de bête frappée d'amour encore. Top, ça c'est topissime quoi. Oh, il y a Arconte, ouais, j'avais pas vu. Ouais, Arconte, c'est bon. Donc on a si on n'est pas mort, si on n'est pas mort, on est vivant. Pas d'attaque. Ça te va comme c'est bien dit. Très bien dit. Oh, je m'en frotte, je m'en lave les mains même. Donne-moi un peu de gel hydroalcoolique là. Et j'en ai toujours sur moi. Et bon. Parce qu'il y a aussi ça, hein, prendre en compte. Oui. Est-ce qu'on vit? On bloque là, on bloque là, on bloque là, on passe à 1. On est vivant. On est vivant. Si on n'avait pas le token de bête frappée d'amour, on était mort sur la... Mais non. Ah si, l'active son... Eh oui. Eh ouais. Donc on était mort sans trouver la bête frappée d'amour. C'est insane. Oui, oui, oui. Il a fallu qu'on trouve l'an de vert, bête frappée d'amour. Ouais, ouais. Oui, on a le droit de chatter un peu. Ah oh bah oui. Quand même. Lui, il top deck des anti-bêtes et des maillets, donc... Alors, je lui propose trade là, de trade ici. Je lui propose de sur la 3. Trade ici. Et ça ici. Nickel. On est bon. On est bon. C'est validé. Quel énorme plaisir, juste. Sacrifie ton sauveur. Il le fait. Et il a bien raison. Il faut c'est sa dernière carte en main. Mono blanc, je trouve que ça devrait pas piocher à chaque fois une carte. Partout. Quand tu as sacre l'âme. Oh yes! Oh, ça va faire des bloqueurs ça. Je vais dans Clairon, une tour compte. Hein. Ah oui, oui, oui. Marqueur sur quoi? Sur Sentinelle, les trucs qui bloquent le fly plutôt. Ouais, t'as raison. Et. Land, par contre. Ouais. Pareil ici, je pense. Je pense, en tout cas, qu'il faut le faire. Qu'il faut le plutôt sur le même, non? Essayer d'avoir un bloqueur suffisant. Après, il va, nous les... à la 3-2, ouais, il va nous les taper tout le temps. Ah! Est-ce que tu veux aussi... Tu engages deux bloqueurs portés, tu fais pas de token. Vaut mieux les garder, ton prochain, tu peux faire bête-bête, sans faire confrontation. Ouais, de toute façon, on a encore Scald à jouer. Là, je vois pas comment il passe, comment il solutionne ce board-là. Je crois qu'on arrive vers la victoire, et franchement, ça me fait plaisir d'avoir été au bout. Ça fait plaisir. Et il est très très bon quand même. Il faut quand même noter qu'il a une certaine impertinence dans la pioche. Il est
Impertinent, exactement. Ah ouais, très, je sais plus. Très impertinent dans la pioche. Dans la gueule. Ça ne suffira quand même pas, je pense, pour aller au bout. Oui, l'engagement en réponse, il pouvait pas l'exiler. Non. C'est pas le moment de me... Je me suis reconcentré dans la game, là. Ne me diablotine pas, s'il te plaît. Diablotiner. Vous pouvez conjuguer ce verbe à l'imparfait. Diablotino. Ça, j'en ai rien à foutre. Et 20 tours pour le monsieur. C'est Le l'heure de genre de blanc-blanc. concéder. Tu perds juste 6 minutes maintenant, c'est trop. Il n'y a plus d'issue favorable pour toi. Il n'y a que des issues favorables pour nous. Ah, si tu fais confrontation escalde, je suis pas sûr que tu arrives à faire un token. Hein. Faut trouver un truc à 1. Ouais, ou à 2 avec un land. Et même pas en fait, on a des sentinelles, donc si on va faire des tokens. Ça va. Oh, mais est-ce que t'as 3 mana? On va voir. Parce que si tu trouves land land land, je sais pas si t'as 3. Attends. On n'est pas obligé de trouver land 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 dans tous les cas. Si, ouais, tu peux. Non, mais tu pourras quand même faire bête frappée d'amour. C'est juste que ça te fait Ouais. engager 4 bêtes. Allons-y. On buff les volants là? Ou tu veux Hmm. continuer à buff les sentinelles? En fait, on s'en fout Sentinelle, c'est maintenant. bien, ça bloque bien. Hein. Ouais, mais c'est celle qui s'engage alors que cela ne Ah s'engage oui, ouais. pas. Oh bah, c'est plutôt ça. Donc on va plutôt buffer les volants. Oh, c'est top. Ok. Vas-y, fais land vert. Une sentinelle encore. Ah, tu peux faire un autre esprit, sinon. On En le fera faisant le tour land d'après? blanc. On fera le tour d'après, Ah non? non, fais maintenant. Ça sera le deuxième Ah draw. merde, on a déjà fait ça, ouais, je suis con. Donc plutôt sentinelle ici. Ouais, vas-y. Voilà. Sentinelle. De toute façon, ici, il s'agit de ne plus perdre la partie. Et bah, je crois qu'on la perd plus. Est-ce que tu bêtes frappé d'amour? Ça me permet Ça te donc, fait ça me fait engager. Je crois engager pas. deux bêtes. Tu peux Et esprit par contre. elles s'en vont pas, donc. Tu veux esprit maintenant? Je pense, ouais. Ok. Et on tape la 1 là? Ouais. Ok, ça me va. Paiement Paiement auto. auto. Encore un marqueur sur un autre, ouais. Ok, nice. Et ton prochain, on pourra faire Toski. Ah, ben voilà! Yes! Putain de yes, quoi! Et ça fait plaisir! Ah, j'ai l'impression d'avoir fini une séance de sport, gros. Quel Alors, plaisir! j'ai bien taffé, c'est bon. Et pourtant, on en a chié de ouf, quoi! Eh ben, ça fait du bien, voilà. Est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai dit avant de tourner la vidéo? C'est normal, c'était il y a 1 heure et demie. T'as une mythique. Non, je ne sais plus ce que tu m'as dit avant de tourner la Je t'ai vidéo. gardé un booster à ouvrir. Bon, on en a un Ah! autre. Maintenant, on en a Je vais deux. ouvrir celui qui était en trop. Ok. Parce qu'il est Et dans le nul. dernier, on fait un Et dans le petit dernier. devinette? Non, pas besoin de devinette, je te dis ce qu'il y a dedans. Il y a une mythique wildcard. Il y a une mythique Ouais. wildcard. Il y a une En celui-là. mythique pour cette game mythique. C'est sûr, mais je te le dis. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. C'est très bien qu'il finisse comme ça. C'est un bon deck. Attention, c'est un petit peu fatigant. Ne le jouez pas à deux. Voilà. Même si vous n'êtes pas joué seul, c'est mieux que jouer à deux. C'est compliqué. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, vous avez vu, etc. Et surtout, n'oubliez pas, c'était C'était de de la la belle roulette. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.